Sur votre émission, l'émission fait par des supporters pour des supporters. Ici c'est l'émission. Avec moi ce soir, et bien comme d'habitude, Coco, Greg et Pierre. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel. Alors Greg, je te laisse le présenter puisque c'est ton invité. Ne loupe pas. Paul. Paul Gerasiak, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu sur la caméra. Vite fait, donc Paul, tu viens de Montluçon, hein ? Chacun ses défauts. T'es né à Montluçon, t'es passé par Tours, je crois, dans ta jeunesse. T'as oublié une étape, à Châteauroux. Ah, t'es passé par Châteauroux. Ouais. Puis bonsoir à tous les quatre, pardon, excusez-moi. Et ouais, c'est par Châteauroux. Et ensuite, tu nous as rejoint à l'ASM, donc une bonne carrière déjà chez les jeunes, parce que capitaine... Une année, ouais, désespoir. Après, j'ai commencé en Krabos en 2010. Ouais. Une année Krabos, une année Rechel, deux années espoir. Puis après, pour avoir monté avec l'équipe professionnelle. Ouais. Donc, depuis 2010, je suis ici. Un titre. Ouais, en espoir, oui, exactement. Voilà. Quelques sélections en équipe U20 avant de... Ouais, quelques, ouais. Voilà. Ouais. Qui t'a valu d'intégrer l'équipe première en 2013, je crois, c'est ça? C'est ça, premier match. Ouais, exact. Ouais. Donc tout jeuneau, donc ouais, ça, tout fait, jeuneau. Ouais. Ça fait un moment du coup que tu fais partie de l'équipe professionnelle. T'as bien révisé. Ouais. Mais tu sais que, pour la petite anecdote, je connaissais quand il faisait les fêtes TPM à l'époque, justement, avec Julien Cazubet, qu'on en parlait tout à l'heure, et Johan Jandresiak. Voilà, c'était les jeunes à l'époque qui perçaient. Et... On faisait partie du bureau directeur, donc c'était plutôt sympa. Voilà, de c'était ça. Réunion et TPM. Ça perpétue la tradition des jeunes montferrandais. Donc c'est très très bien. Bon, voilà. Alexis. Et alors on va dire bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Donc j'ai vu passer Zoé, Aurélie, Émilie, Aurélie. J'ai vu passer Muratoise, Jean-Yves, Michel, Gérard, il y en a plein d'autres. Donc merci encore d'être là ce soir avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer des questions à nous, à Paul. On essaiera de répondre à peu près à tout. Et dans la mesure du possible, hein, parce que vous êtes pas mal à nous envoyer des photos. On vous remercie, puisqu'on est bientôt à 2000 j'aime sur la photo, sur la page des coulisses du rugby Auvergnat. Et pour ceux qui peuvent pas regarder l'émission en direct, hein, on le rappelle, on est en replay donc sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et aussi sur Spotify en podcast. Donc n'hésitez pas à nous écouter, à nous regarder. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à inviter vos amis parce qu'on n'est pas loin d'atteindre les 2000. Ouais. Les 2000 abonnés, donc ça serait bien qu'on atteigne cette barre. Donc c'est... Et on fait une grande fiesta en 2000. Voilà, donc on essaye de... Bon, voilà. Tout ça, tout chez vous, mais voilà, c'est la nouvelle boîte. Non, mais on sera déconfinés. Tu crois? Ouais. Ben écoute, alors pour les 2000, on essaie de déconfiner et puis on boira une bière. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la défaite hein, de l'ASM face à Lyon. On aura notre petit sondage au milieu. On parlera ensuite de l'ASM Brive le 1er mai. Ensuite, on parlera de notre futur entraîneur qui a été officialisé la semaine dernière, hein, mais du coup, on n'a pas le temps d'en parler. Et puis, on fera un petit tour sur les filles, les espoirs et Aurillac. Et on terminera par un carton rouge que Greg nous a donné tout à l'heure avant l'émission. Donc et ben voilà, et après bien sûr on en répondra à toutes vos questions. Et bien c'est parti pour le débriefing du match Loup ASM. Donc Loup ASM a défaite 41-30, un match un petit peu décousu si je peux dire. Si vous avez un mot pour résumer ce match, hein, comme il y a 15 jours, Pierre, dis-moi si tu as un mot. Moi, je suis déçu. Déçu. Greg ? Rageant. Ouais, rageant. Rageant aussi. Ouais. Deux rageants. Bon, Paul, je pense que tu étais mieux sur le terrain. Donc, si tu as un ressenti à dire sur ce match, si tu dois le résumer... C'est forcément de la déception parce que de ne rien ramener de Lyon, alors que c'était... faisable et possible, c'est vraiment frustrant. Maintenant voilà, il faut apprendre de cette défaite et il faut aller de l'avant. On a encore des matchs importants pour la fin de saison. Donc du coup, c'est voilà, il y a eu des choses qui ont été faites pendant ce match, des bonnes choses, des mauvaises choses. Il faut toujours en tirer de toute façon les conséquences, les conclusions, pardon. Et du coup, pour la suite, et voilà, maintenant on va apprendre de nos erreurs. On va peut-être demander des nouvelles de sa blessure quand même. Oui, quand même.
Ça va, j'ai passé hier une radio et une écho, alors j'ai une petite... comment on peut dire, j'ai perdu le nom. Une acromio. Une acromio, ah oui. Voilà, de Stadin. Donc, voilà, c'est un peu ressenti, mais je vais être au repos pendant une petite semaine, à 10 jours, quoi. Donc, du coup, voilà, sur le coup, pas forcément agréable. Mais bon, au moins, ça a juste bougé, c'est pas si grave que ça. Donc, du coup, c'est une bonne chose pour moi. Ouais, ça reste une bonne nouvelle. Ouais. Tu seras pas sur la feuille samedi par contre. Non, un peu compliqué, ça sera un peu juste. Ouais. Aurélie dit qu'elle est frustrée parce qu'elle a écouté le match à la radio et on sentait qu'on pouvait le faire. Je crois que c'est exactement ça, c'est vraiment qu'on sentait qu'il pouvait le faire. Moi, pour ma part, quand je dis rageant, c'est que j'étais convaincu qu'ils allaient le faire quand je vois cette entame de match. Parce qu'on dominait, le Loup dominait, mais on arrivait à contrer cette domination en étant assez serein. Moi, je ressentais, on a assez critiqué ce manque de sérénité qu'il y avait ces derniers temps de la part des joueurs. Là, j'avais l'impression d'avoir cette sérénité, et puis voilà, on se délite au fil du match. Puis pour terminer par une cagade qui fait qu'on perd carrément le bonus défensif. Donc c'est vrai que voilà, quand je parle de rageant, c'est ça, c'est qu'on passe un match où on peut basculer sur une victoire et il n'y a rien à dire si on ramène au moins les 4 points, on revient avec 0 points. Donc c'est vrai que, ouais, voilà pourquoi c'est rageant. Et Aurélie, ouais, je pense que je rejoins ton sentiment que tu avais sur la radio, on pouvait le faire. Ouais, bah après c'est vrai qu'on a été habitué il y a pas très longtemps, on a fait comme dit Aurélie encore une fois, hein, un hold-up outre-manche. On s'était dit bon bah là il reste un dernier ballon, on est plutôt bien à 14 contre 14, on aurait pu le faire. Après moi ce qui m'a beaucoup fait rire dès la première minute, c'est cet essai de Pécéliato qui s'arrête. Oui, et qui voit que l'arbitre siffle pas et il y va. Ça, ouais, après pour tous ceux qui sont passés par l'école de rugby, la première chose qu'on nous apprend, c'est on s'arrête au sifflet de l'arbitre. Ouais. Là, on s'est aperçu qu'il y avait 30 bonhommes qui se sont arrêtés. Ils sont tous arrêtés, oui. Et bon, après, Yato pour le rattraper quand il a décidé de mettre le gaz. Il va vite, toujours. Donc, tant mieux pour l'ASM. Mais après, je suis désolé, même à ce niveau-là, c'est une erreur qui ne doit jamais arriver. Tant que l'arbitre siffle pas, tu t'arrêtes pas de jouer, quoi. C'est vrai, mais là c'était quand même assez brouillon. Ouais, alors avant de continuer, on va poser les bases. On avait fait un sondage, donc on va lancer le sondage. Ou pas. Un du sondage, c'est aurait-on dû tester la 7 charnière, donc Parabesi, avant ce match-là. Dans la saison, ça a été quand même assez clair, hein, pour tout le monde. Ça a été oui à 98% et non à 2%. Donc voilà, je pense que tu as eu quelque chose à dire, Coco. Oui, j'ai encore un coup de gueule à lancer. C'est-à-dire que c'est un sondage, donc c'est ni une leçon, ni une excuse. Point barre. Voilà, donc vous voulez répondre à la question, vous répondez, vous voulez pas répondre, vous ne répondez pas, c'est pas la peine de tergiverser après sur des commentaires désagréables, je trouve. Non, ça sert à rien, c'est un sondage, vous voulez répondre à la question, c'est très bien. Voilà. Bah alors nous, j'ai très bonne humeur, hein, pourtant. Ça se voit. Nous, en tout cas, sur ce plateau, on va essayer de dire ce que nous on pense. Moi, je suis pareil, je dirais oui, Greg. Moi, je dis oui pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où on a constaté le départ de McIntyre. Bon, on n'a pas lié à ce départ par Jenkins, qui à mon sens n'a pas le niveau top 14. Voilà, après, ça reste un bon joueur de Fédéral 1, certainement. Mais déjà, il était à Nevers, d'ailleurs, je crois qu'il était en train de tester à Nevers. Il était en test à Nevers avant d'arriver ici. C'est ça. Hein. Donc voilà, à ce moment-là, on avait quand même Kevin Vialard en troisième demi-mêlée qui faisait des bouts de match. Donc ouais, pour ma part, au moment où on prend la décision de lâcher McIntyre, je pense qu'on pouvait et on se devait même de tester cette charnière, parce que Parra, on l'avait vu en 2011 avec une excellente Coupe du Monde en 10. Bézi, c'est un 10 ils de formation. Ils sont polyvalents. Et en plus, voilà, on l'avait dit la dernière émission. Mais ça fait un moment que nous on le dit. Même pour intervertir pendant le match, parce que Parra peut-être est un peu plus gros plaqueur que Bézi et à plus de jeux au pied. Enfin, il y avait cette multiple possibilité de les avoir. Après, attention, Nanaï Williams,
voilà, il n'est pas mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord. Ah non. C'est juste que ce n'est pas un 10 de formation. Mais ce n'est pas son poste. Voilà, et que, bah, on l'a encore vu samedi. Il est très bon, mais il manque cette gestion que Camille Lopez fait actuellement à merveille, cette gestion du jeu, ce déplacement au jeu au pied qu'on a besoin des fois pour se sortir d'une pression, ou tout du moins faire courir l'adversaire. Et Nanay Williams, tout de suite, il ne répond pas sur ces détails-là. Mais voilà, alors qu'on l'a vu... Para en neuf à sa rentrée, on va encore. Hein. Si... Je ne sais pas si tu poseras la question. Dès qu'il rentre, c'est. Voilà, je ne sais pas si tu poseras la question du. C'était jour et la nuit. Un vrai patron sur le terrain. Mais du coup, ça a permis aussi à Bézi de jouer dans un petit fauteuil. Donc, non, ouais, on aurait dû tester cette charnière plus tôt, je pense. Mais voilà, comme nous dit Muratos, on a plus de 10. Et puis, j'ai vu passer à autre chose, hein, quelqu'un d'autre qui l'a dit. On manque d'un 10, d'un vrai 10. C'est vrai que quand on perd Camille. Et là derrière, c'est des neufs qui pallient en numéro 10, c'est forcément on aurait pu essayer Fritzli, hein, qui nous a mis à beaucoup de pieds. C'est vrai, mais on aurait pu. On peut jouer à tous les postes. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires sur ce sondage du genre. Alors, il y a Lionel qui est très statistique, donc qui nous a dit qu'il y avait très peu de matchs où ils avaient été ensemble sur la feuille de match, enfin, où ils pouvaient être ensemble sur la feuille de match, parce que à l'époque, Bézi était sélectionné en équipe de France. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Camille était opérationnel, était très bon, donc oui, mais à un moment donné, voilà le résultat, c'est que Camille s'est blessé et qu'il a voulu trouver un 10 dans l'urgence. Et puis moi j'en démords pas, ce qui fait défaut aussi, au-delà de la blessure de Camille, c'est le fait de ne pas avoir Jean-Pascal Barak actuellement, qui lui est un véritable jeu au pied, et qui peut suppléer un Nanay Williams par exemple. Ouais. Parce que Nanay Williams attaque très bien la ligne. C'est un super joueur de ballon, mais il a ce défaut de la gestion du jeu au pied. Oui, et quand même, pour un nouveau, c'est un peu compliqué. Que Barak, à ses côtés, pourrait pallier. Quoi. Et c'est vrai que tout de suite, Moala n'a pas non plus un grand jeu au pied. Non, mais alors par contre, qu'est-ce qu'il avance? C'est un vrai tracteur, par contre. Moi, je ne voudrais pas être défenseur face à lui. Hein. Ça fait peur. Hein. Mais Tuisova aussi, Lance. Oui. Tu veux parler d'un tracteur? Oui. Alors, je vois Giro qui a mis, ce qui est dommage, c'est qu'en touche, on perd énormément de ballons. Moi, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il y avait... Parce que le retour d'Ituria fait un énorme bien à la touche. On a été bons en touche. On fait 100% de réussite. Ouais. Hein. Et en plus, on leur pique. Deux ballons, il me semble. Mais enfin, ouais, je sais pas ce qu'en pense Paul, mais moi je trouve que le retour d'Ituria fait un grand bien à la touche. Ouais, si vous voulez mon avis par rapport à ça, je trouve qu'Arthur aussi, après, il fait du bien par rapport à au fait qu'il soit assez longiligne, qu'il soit très bon en touche, qu'il ait ça dans le sang. Après, il a une lecture de la touche aussi qui est parfaite, donc du coup, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien à tous, oui. Ouais, parce que là, on a vu la différence. Ah, ça, c'est bien. Et j'en reviens à ce que je disais la dernière fois pour rebondir, c'est l'avantage d'Ituria, c'est aussi le fait que. Là on a vu enfin, ça faisait quelques temps que je voyais plus ça, où on avait de l'incertitude parce que Arthur Ituria pouvait sauter, on a vu les deux deuxièmes lignes qui ont sauté, et du coup défensivement c'est plus la même que quand t'as un seul bloc qui bouge, à lire, parce que derrière quand t'es rentré Paul, ça a été pareil. Tu te retrouves avec trois sauteurs qui bougent et c'est beaucoup plus difficile à lire. Alors je sais pas si vous avez échangé quelques touches ou quelques détails par rapport à la touche. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai vu d'important, au-delà du fait qu'Ituria apporte, et je te rejoins entièrement, c'est le fait qu'on a vraiment amené de l'incertitude face à la défense adverse. C'est ce qu'on essaye de travailler à l'entraînement, et ce que Bernard nous fait travailler énormément, c'est ça en fait, c'est d'être complémentaire à chaque niveau de la touche. Parce que forcément, dans une touche, il y a trois niveaux, devant, milieu, fond, et donc du coup, le but, c'est d'être assez polyvalent par rapport à ça, et après, pouvoir être confort pour pallier à certains cartons, certaines blessures, et pouvoir au moins avoir une rampe de lancement sur chaque niveau. Alors après, c'est sûr qu'après, il y en a qui ont plus le physique de sauteur, plus le physique de lifter, et forcément que pendant le match, il y a forcément, comme Arthur par exemple, va être plus facile à lifter, et voilà, et vu qu'il a ça en lui, il va être plus mobile. Et donc après, forcément, suivant les matchs, il y a une stratégie qui est mise en jeu. En place, pardon. Alors, justement, là je vois que... Oui, j'ai regardé un peu les commentaires aussi.
Ouais, bah, Alice qui dit pourquoi faire cette relance à la toute fin de match alors qu'on a le point de bonus et c'est le résultat d'un manque de stratégie. Moi je trouve qu'au contraire, en fait, ça m'a un peu agacé. Je te rejoins sur les pages de supporters. Ça m'a agacé parce qu'on a dit ouais, ça y est, on sait pas jouer, on a relancé, pourquoi on a relancé, il y a des cadres. Bah, je suis désolé, mais ça aurait marché, on les aurait encensés. Bah, absolument. Donc en fait, comme toujours, il y a un risque à prendre. Penaud, il a été un peu sevré de ballon, même complètement. Non, parce que je sais pas comment il a eu le ballon, mais donc t'as l'envie, quoi, je veux dire. Alors, c'est pas sur l'envie, c'est sur la gestuelle. Je parle vraiment du geste où il jette le ballon un peu. Alors, en plus, c'est vrai qu'il fait partie de ces joueurs qui ont cette nonchalance et qui agacent des fois certaines personnes et voire même certains coachs. Mais après, il a le soutien. Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est dur sur les appuis. Le soutien est là, alors c'est facile quand on regarde le match, hein, oui. Je suis pas sur le terrain. Mais voilà, s'il conserve, on peut avoir cette occasion de... tout du moins, cette continuité de jeu qui permettrait peut-être d'aller chercher cet essai. On ne saura jamais, de toute façon, le match il est terminé. Mais par contre, moi, si je peux juste me permettre de dire quelque chose et de couper, je suis désolé, pardon. C'est non, mais tu peux. Plein de fois, en fait, Alexis l'a bien dit. Si ça marche, bien sûr, on va lui lancer des roses, etc. S'il tente, c'est sûr que à ce moment-là du match, ben voilà, fallait peut-être conserver. Moi, je suis pas là pour dire et tout, mais Damien nous a sorti tellement de situations, nous a marqué tellement d'essais, des beaux essais. C'est tellement un joueur talentueux que forcément sur ce match-là, c'était un peu compliqué. Mais pendant le match, il a aussi fait des très bonnes choses. Et donc on retient ça à la fin. Et après, c'est ce que je vous disais au début, c'est comment justement. Par exemple, moi, je suis fautif aussi par rapport au coup d'envoi que je loupe. Il faut dire ce qui est. Mais dans le sens où comment de ces erreurs individuelles, on va pouvoir en tirer du positif et aller de l'avant. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs, on en a tous fait, il y en aura toujours, il y aura des en avant, il y aura tout ça. Comment maintenant on va réussir à aller de l'avant et se qualifier et aller décrocher ce bouquet de bonus? J'aime quand tu parles comme ça. Non, mais c'est juste pour parce que c'est sûr que après on est, comment dire, il y a souvent des erreurs, mais quand les plus beaux essais ont été tentés par des passes improbables des fois, et, oui, c'est vrai. Et ça réussit, ça réussit. D'ailleurs, ça m'a beaucoup énervé. Hein. Je rebondis sur ce qu'il dit parce que ça m'a beaucoup énervé parce que Lyon arrêtait pas de faire des chistera et en plus qu'il réussissait. C'est, tu sais, des fois on a l'impression quand on voit les autres jouer, ça nous arrive quand on voit le top 14, on dit putain mais pardon, ils réussissent tout, tu vois. Moi ça ne réussit pas. Ça m'a agacé. Raka qui a fait ses passes aussi. Il y a un essai de Bézi en début de saison, justement avec passe entre les jambes de Camille. Oui. Ballon volé par Barak, je crois. C'est Barak pousse au pied. Ouais. C'est ballon et pour Bézi. Et rappelez-vous l'essai de Vincent Debatty contre le Stade Français. Voilà, la dernière semaine. Combien de fois ça doit louper. Enfin voilà, c'est juste que. Tu te dis jamais ça arrivera au bout. Et puis, c'est ce qui fait qu'on est ici aussi, qu'on parle du rugby, parce que c'est la beauté du rugby. C'est un peu la magie, c'est le truc magique, quoi. C'est après, Christine le dit très bien, par rapport à tous les commentaires qu'on voit désastreux, c'est tellement plus facile quand on est dans le canapé. Hein. Alors Coco, t'as poussé un coup de gueule tout à l'heure, mais ça, forcément, il y en aura toujours. Moi, je viens la première à rougner aussi. Et puis le tout, c'est quand on voit la communion qu'on a, quand on réussit des choses, et bien sûr, ceux qui commentent, vous nous manquez tous aussi, parce qu'au stade, c'est vide sans vous. Bien sûr, c'est pas facile. C'est pas facile. Et du coup, on vit tellement de communion à travers des matchs que forcément, après, il y a quelques critiques qui fusent, mais c'est comme ça. Après, moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre et que j'arrive pas à m'expliquer, c'est l'irrégularité. C'est-à-dire de l'équipe par rapport à 2-3 matchs d'affilée. On va voir des super matchs où on va voir que des bonnes choses. Et le match d'après, on a l'impression que, je sais pas, tout est effondré, tout... Mais après, t'as des facteurs, tu sais, que tu maîtrises pas forcément. Après, t'as des matchs qui vont mieux que d'autres. T'as la fatigue qui est là aussi. T'as plein de choses, en fait, qui rentrent en jeu. Alors, c'est vrai qu'on essaye de chercher une constance. Et des fois, tu t'aperçois des fois que t'as des moments un peu de creux, en fait. Et donc, du coup, c'est comment tu vas remettre un peu du charbon dans la locomotive pour que ça avance bien comme il faut. Tu vois, on l'a vu aussi avec Toulouse cette année, qui a perdu contre Montpellier à la maison. Ça arrive, la constance, c'est difficile sur une saison qui est très longue. Et c'est ce qu'on recherche et on travaille pour ça. Croyez-moi qu'on se remet en question chaque lundi. Mais c'est que des fois, voilà, c'est un peu... C'est pas une excuse. Moi, je voulais revenir sur, je sais plus tout à l'heure si c'était Gérard ou quelqu'un d'autre qui parlait de l'essai de. Eh ben c'est Gérard et Tifosi. De l'essai de. C'est deux personnes. De Tuisova, c'était ça? Oui, de Tuisova. Les plaquages sont manqués au début.
Déjà, pour revenir sur, je trouve que Tuisova, c'est pas que un Airbus justement qui court à 10 000. Non, parce que justement, là où il joue bien le coup, c'est qu'il vise une zone qui est très dure à défendre, c'est qu'il vise en fait l'intervalle qui est entre deux plaqueurs qui sont pas du tout dans le même sens de circulation. Ouais. Et je vous jure que c'est super dur à plaquer parce qu'on se rend compte, surtout quand on a un mec comme Tuisova qui arrive comme une balle, qu'on risque de percuter l'autre. Et je pense que ça a joué sur le plaquage raté de... Je ne cherche pas d'excuses, hein, mais sur le plaquage raté d'Ituria. Et alors après, par contre, c'est pareil. Hein, Nané Williams à 5 mètres de la ligne qui essaye de le prendre en haut du corps. Oui. Tuisova en haut du corps avec 50 mètres d'élan. Il y a Ituria qui le loupe. Voilà, il y a Ituria, oui, mais il y a Ituria, il y a Ojoran, et en fait, les deux sont en course inversée. Et Tuisova, là où je trouve que lui, techniquement, joue bien le coup, c'est qu'il vise cet intervalle. C'est un peu aussi comme ceux qui visent la zone de l'arbitre. Ouais. Autour des rucks, c'est toujours une zone où c'est très difficile à défendre. Alors après, attention, le plaquage il est raté, tout le monde l'a vu. Voilà. Mais déjà, c'est Tuisova. Déjà, Tuisova, il faut s'y filer. Et en plus, je trouve que Tuisova joue bien le coup. Quoi. Et alors ouais. Après, je vous dis, c'est vrai qu'on a nos. Et après, c'est Bézi et Nanaï Williams qui se retrouvent en face. Et là, c'est pareil. C'est quand même des petits gabarits. Quoi. C'est ça qu'on peut rattraper, les petits gabarits. Alors, bon, on perd hein, 41-30. Il y a quand même un fait de match. Alors, il y en a plusieurs. Pour moi, il y en a deux, mais il y a quand même un fait de match. C'est, alors, si on a la photo, pour moi, il est mérité à 10 000%. Mais si on a la photo, ça serait bien de l'avoir. Je me suis douté que c'était. Qu'après, tu allais l'avoir. Non, c'est pas celle-là. C'est le carton rouge de Judicael. De Judicael, oui, Concordier. Qui. Voilà, c'est. Ça va très vite, hein. Bon, voilà, pour moi c'est rouge, c'est mérité, mais faut pas oublier voilà, qu'on a quand même passé une grande partie à 14 contre 15. Hein. Et ça c'est pas tant vu que ça. Et même en mêlée, je trouve qu'on avait vraiment plus que rivalisé à 7. Hein. C'est le seul moment où cette décision d'arbitre me dérange. Parce que d'accord, on est bien d'accord qu'il y a le coude. Mais enfin, à quel moment j'ai perdu son nom au 10 lyonnais. Doussain. À quel moment Jean-Marc Doussain fait l'effort de plaquer de son côté? À aucun moment. Il vient. Voilà. Non, mais je veux dire, même, il cherche pas. Là, on voit bien, il cherche même pas à aller attaquer le ballon, ni rien. Il est droit comme un i. On a Judicael qui arrive, lancé comme un frelon, qui est en train de se faire plaquer. Il a juste l'attitude, parce qu'il n'a pas une attitude. Voilà, il n'a pas une attitude où il veut faire mal. Il lance pas le coude. Il part pour. Et on a le mec en face qui est droit comme un i, qui fait ni le geste d'arracher le ballon, ni le geste d'aller plaquer en haut du coup. Par contre, c'est la faute de Douce. Alors, mais cette règle, elle est dérangeante, parce que bien sûr qu'il faut protéger les joueurs. Oui. Et bien sûr qu'on ne doit plus voir ces gestes qu'on a tendance à voir avec le coude. Et la blessure d'Aurélien Rougerie nous le rappelle, parce qu'en plus, ça nous a touché. Tous, parce que c'est un Clermontois, mais je veux dire, là, à aucun moment, je lui dis qu'à elle, fait une action pour faire mal ou pour se défendre, il n'y a rien, je veux dire, c'est vraiment qu'il... Voilà, c'est dans le jeu, et Doussain fait aucun effort. Et moi, là, ça me dérange, parce que le rouge, je le trouve hyper sévère. Voilà. Et c'est là où les arbitres, ils doivent s'adapter. Mais c'est l'application de la règle. C'est malheureusement, oui. C'est, alors, moi, pour revenir avec vous, je connais très bien forcément Judicael. Il rentre dans le contact et forcément, il va. Et quand tu vas avancer, tu mets les avant-bras, tu vas pas y aller droit comme un i comme ça. Ouais, voilà. Non, du coup, c'est sûr que son coup est pas désiré. Je veux dire, voilà. Alors après, il y a deux trucs. Doussain est un peu petit, il le prend haut. Ouais. Rappelez-vous, en équipe de France, c'est comment il s'appelle le 10 de l'Écosse, Russell, qui a pris un carton rouge pour exactement la même chose. Et malheureusement, c'est la règle. C'est l'arbitre applique la règle, même si Judicael veut pas faire mal. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est pas tant ça, parce que bon, voilà, il applique la règle, c'est au pied de la lettre. Voilà, on a eu un arbitre il y a 15 jours, hein, on a bien compris que c'était que quand il voulait qu'il appliquait la règle. Des fois, c'était un peu au bon vouloir de l'arbitre, malheureusement, parce que tu avais des règles qui faisaient que. Voilà. C'est ce qu'il avait expliqué, mais c'est ce que demandait Bruno. Et ce qui manque peut-être un peu au rugby, c'est qu'on voit de plus en plus, et ça vraiment, je suis contre ça, et ça m'embête vraiment, c'est que de plus en plus on simule. Parce que là, sur le plaquage, il le prend, ouais. Ok. Tout de suite, il fait ça, on voit l'arbitre qui tend le bras, il va plaquer derrière.
Non mais ça c'est le jeu, enfin je veux dire. Et, ben ouais, mais ça me et puis c'est un demi de mêlée en plus. Oui alors, c'est ce que j'allais dire, parce que j'étais sûr qu'il y a quelqu'un qui allait dire ça sur bah oui. Alors, par contre, si t'as regardé le match, enfin vous avez tous regardé le match. J'avais Angleterre-France et l'ASM. Est-ce que tu as vu à un moment Morgan Parra quand il est resté à terre et qu'on a eu une pénalité? Non. À partir du moment où il l'a fait subtilement, à partir du moment où l'arbitre est revenu et qu'il a sifflé pénalité, je sais pas qui c'est qui l'a regardé, Morgan, mais il l'a regardé avec un grand sourire. Ouais, ouais. Alors, oui, mais ça c'est, voilà, c'est mais ça, là, typique ça, c'est du Morgan. Là, sur Doussin, enfin, il prend le coup comme s'il pouvait plus respirer, et puis d'un coup il voit que l'arbitre. Je suis d'accord avec toi, José. Ouais, c'était un peu ce sens-là mon discours. C'est que le vice sera de ne plus baisser. Et moi j'ai peur qu'on arrive à cette dérive-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être le truc. Le geste du bras, on le voit avec ce que fait Judy Calcancoirier. C'est vraiment un geste, ce que disait Paul, c'est le geste que tu as naturellement quand tu joues au rugby et que tu as une confrontation directe en face, encore plus quand tu te fais plaquer, parce que c'est à ce moment-là, c'est ce qui se passe. Tu as le bras qui va naturellement essayer de repousser. Alors là, effectivement, c'est l'avant-bras qui arrive, mais. Forcément, si forcément. Il y a une situation où tu as des mecs comme ça qui vont rester debout et qui vont faire aïe, et puis on mettra des cartons. Et moi, j'ai peur que ça. Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est un peu ça aussi qui me fait faire la réflexion. On discutait pendant le match avec Alexis, que je dis putain, le rouge est un peu sévère. Et il me dit non, pour moi, il est tout à fait. Moi, sur le coup, quand je vois le geste à vitesse réelle, moi, je trouve que c'est grossier aussi. Enfin, il reste planté comme ça, et puis tout d'un coup, ouais, j'ai mal. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop chauvin ? On voit que c'est pas voulu. Non, je pense qu'on est. Mais coup, c'est pas non, nous mais après, objectivité. Après, c'est vrai que quand tu vois au ralenti, le geste est là, mais il y va pas pour faire mal, il y va vraiment pour percuter au départ et pas pour faire mal. Ah oui, non, mais. Je pense qu'il y a la différence de taille, il y a l'autre qui se baisse pas du tout, comme oui, le Greg. Bon. Et c'est pas toujours arbitré dans ce sens-là. Il y a aussi ça qui me dérange. On l'a bien vu sur un plaquage. Alors, je sais plus qui c'est qui fait le plaquage sur Morgan Parra, qui là, on voit très bien qu'il est en retard, qui vient à l'épaule. Ouais. Alors, il y a pénalité, certes, mais il n'y a pas de carton. Ben là, je comprends pas. Je suis désolé, c'est ce que demandait Yannick Bru par rapport à Moribond, à Bayonne. Mm. Voilà. C'est ce que nous expliquait Guillaume Ferrer, qui était formateur des arbitres au comité. On a besoin d'avoir cette homogénéisation au niveau du corps arbitral pour avoir le même arbitrage tout le temps, partout. Et malheureusement, c'est ça. D'arbitrage, quoi, oui. C'est ce qui fait qu'actuellement. C'est ce qui fait qu'actuellement, on a un souci par rapport à ça, quoi. Alors, pour en avoir parlé avec eux, parce que chaque année, il y a les arbitres qui viennent au club. Et puis moi, mon papa était arbitre aussi, donc il a fait pas mal de réunions. Ils essayent ça, justement, d'être le plus homogène possible, en fait, de discuter, de se voir. Et en top 14, il y a des moyens. Donc, ils arrivent vraiment à avoir un corps arbitral, enfin, un corps d'arbitre de top 14 pour D2, d'échanger beaucoup, d'essayer de se retrouver les mêmes. Après, la personne qui est au milieu et en vert, c'est une personne comme nous. Donc, l'erreur, elle peut être humaine aussi. Mais les appréciations. Et du coup, voilà, ce qu'il y a, c'est que maintenant, heureusement qu'on a la caméra, enfin, l'arbitrage vidéo. Qu'on a caméra, les arbitres de tous, voilà tout ça, mais l'erreur, l'appréciation reste humaine, donc ça peut être positif. Comme... Le rocking a disparu aussi avec la vidéo. Ouais. Alors, justement, tu nous fais une transition toute trouvée. Si on pouvait avoir donc la deuxième image, une erreur purement arbitrale, complètement, puisque on voit que la Moala est en douche. Bon, personne n'a vu. Moi, je. Tout le monde sait. Il n'est pas en touche, tu veux dire. Mais d'après l'arbitre, il est en touche. Oui. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a touche pour Lyon, alors qu'il n'y a jamais touche. Lyon est à ce moment-là à 15 contre 14. Et derrière, il y a essai. Ça amène un essai. Et là, justement, on a la vidéo, on a tout ça, on a des arbitres de touche. On a 5 arbitres, je crois, même. Ou 6, je ne sais plus. 5. Non, parce que le quatrième et le cinquième, je répète, c'est des arbitres fédéraux du comité d'Auvergne qui sont là pour calmer tout le monde. Eux, ils s'occupent des entraîneurs, tu sais. Donc t'as 4 arbitres. Donc là, je trouve ça dommage que l'arbitre vidéo n'intervienne pas, parce que là, c'est quand même flagrant. Peut-être qu'il ne le voit pas. Bah là, il n'y a que moi et les dizaines de supporters. Clermontois et Lyonnais, parce que moi j'étais pote Lyonnais, qui m'ont dit c'est gros. Comment on peut, surtout que l'arbitre, on voit le bras de l'arbitre, donc il est à 1 mètre, comment on peut dire qu'il y a touche alors que ça va vite, je suis d'accord.
Mais bon, c'est quand même. C'est encore l'arbitre. Allez, Aurélie qui dit les arbitres sont parfois tatillons avec vous, pourtant vous avez porté le maillot vert comme eux. Eh oui, on avait fait exprès, on avait essayé de. Les soulever, mais bon. Après, voilà, moi, on est bien d'accord que c'est pas l'arbitrage qui fait le match. Non, c'est clair, c'est pas l'arbitrage qui fait le match. Pour moi, ça y est pas, c'est clair, parce qu'on n'est pas si loin que ça, mais on n'a pas de niveau sur ce match-là. Pour prétendre. Moi, j'ai joué au rugby, et de temps en temps, j'en fais quand je suis pas blessé. Donc, c'est-à-dire pas souvent. On m'a toujours dit que l'arbitre faisait partie du jeu et qu'il fallait être meilleur pour pallier à ça. Et si vous, encore une fois, c'est que nous, on essaye de faire, en fait, l'arbitre au milieu, on fait des vidéos dessus justement et on essaye de prendre sa manière d'arbitrer, mais après on n'y fait pas attention parce qu'il ne faut pas y faire attention. Décider et peu importe la décision qu'il prend, Alexis t'a très bien dit quelque chose, c'est que peu importe la décision qu'il prend, il aura raison. Donc du coup, c'est comment quand on prend une pénalité à la 10 mètres, etc., comment on fait pour justement essayer de pas se focaliser sur lui et de faire notre match. Après voilà, comme dit Émilie, c'est vrai que on le voit aller au ralenti à l'écran, mais ils l'ont passé qu'une fois. Avant que la touche se joue, on entend crier sur le banc, il n'y a pas touche. L'arbitre est allé voir la vidéo pour d'autres fois, pour moins que ça. C'est vrai que. Alors, Paul, il a tout dit. Le truc, c'est que nous, on est supporters ce jour-là, on n'est pas sur le terrain et que c'est un peu rageant. Ça va que la télé, ça coûte cher, parce que sinon, j'en aurais cassé plus de. Après, j'en reviens un peu à ce que disait Pierre tout à l'heure, et ce qu'on a dit sur certaines émissions. C'est qu'actuellement, on a une équipe qui n'est pas sur le toit du monde ou sur le toit de l'Europe, comme on a eu ces dernières années. Parce que c'est pareil, il ne faut pas oublier que ça fait quand même 5-6 ans, où on est vraiment sur le toit de l'Europe. Enfin, je veux dire, ça jouait le titre européen tous les ans, ça jouait le bouclier de Brennus tous les ans, et puis on avait une équipe qui dominait le top 14, qui faisait partie un peu comme Toulouse et La Rochelle cette année. Et on a été habitué un peu à ça, et c'est vrai qu'à ce moment-là, même l'arbitre le plus tricheur du monde ne pouvait pas trop contester quoi que ce soit, tellement que l'équipe était au-dessus du monde. Je pense que tu as eu une transmission de pensée avec Fitbull, parce qu'il le dit, en finale 2010, Nalaga était en touche, et après on marque le droit. Ça n'aura pas changé grand-chose. C'est juste que cette irrégularité, ou tout du moins le fait qu'on est peut-être un peu moins dominateur, et qu'on écrase un peu moins la concurrence, nous fait aussi des fois être un peu plus frustrés. Sur des erreurs d'arbitre, enfin sur ce qu'on considère comme des erreurs d'arbitre, alors qu'à la base c'est un problème où on se fait dominer tout simplement quoi. Mais voilà, mais on va vous souhaiter de dominer les 6 derniers matchs avec un essai, on s'en fout, on oublie, je crois que c'est Dato aussi qui avait fait un en avant l'année du titre Je me souviens bien aussi de ces bons là, il y est, oui, il est laissé, il est mieux. On n'est pas très objectif des fois. Non, mais on n'est jamais objectif, mais forcément. On est supporter de notre équipe, c'est tout. J'avais une question, vous avez tous répondu sur si vous avez un joueur à sortir du lot. Dans les commentaires, on a vu que Morgan revenait très souvent. C'est vrai que quand il est arrivé, il a mis c'est incroyable. Mais c'est un fin stratège aussi. Mais moi, ça me fait peur parce qu'il n'a pas 20 ans, le garçon. C'est ça le problème, c'est que les années à venir, il va falloir le pallier, le remplacer. Il y avait la Morgan dépendance passé un temps. On avait réussi à y pallier un petit peu et on y revient, je trouve, un peu. On en revient parce qu'il est vraiment. Alors je sais pas si sur le terrain, tu vas pouvoir me répondre, si quand il rentre, il amène cette tranquillité, cette lecture du jeu, ou je sais pas, mais quand il rentre, on le voit, il arrive, tout le monde se met à sa hauteur et. Il engueule les gros, ça me fait rire, mais c'est incroyable, il est respecté et puis Morgan c'est Morgan, c'est un leader incontournable du vestiaire. Quand il dit quelque chose, forcément que ça touche tout le monde. Je suis pas là en train de faire mais je veux dire que c'est sûr que Morgan quand il parle dans le groupe, il a une portée, il touche tout le monde et forcément qu'il a énormément d'importance, comme Seb là aussi. On a vu au Costa de Français, quand Sébastien est rentré, c'était aussi un tournant du match. Morgan, il a cette facilité à nous toucher, facilité à nous parler, facilité à bien, comment on peut dire,
prendre. Il vient nous faire rentrer dans les matchs, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est un leader de vestiaire et c'est un leader incontournable. Il sait vous motiver, il sait. Voilà, il sait. Et puis il a tellement de. Ça fait. Après, depuis longtemps qu'il y joue. Bah après, c'est un entraîneur. Déjà, en plus, c'est quelqu'un qui se forme en tant qu'entraîneur là-dessus. Bon, nous, on connaît aussi dans le monde amateur parce qu'il a entraîné au Barbe Vert, au CUC, avec un peu de réussite. À Rion aussi. À Rion aussi. Oui, quand mon fils jouait, c'était à Rion. Et après, il fait partie de ces joueurs, quand ils arrivent en fin de carrière, qui continuent de se bonifier. On a toujours cette vision moi, de ces joueurs. Josion, moi, c'est un des plus beaux joueurs que j'ai connus et qui était encore plus fort. Tony Marsh était pareil, pour reprendre un peu sur les mêmes postes. C'est ces joueurs qui sont déjà très forts naturellement et qui, là, vont peut-être un peu moins vite dans l'exécution, mais qui, par contre, arrivent à prendre ce recul nécessaire qui leur permettent d'avoir ce temps d'avance. Alors voilà, bah, y a le talent qui est toujours là, et puis il y a l'expérience, et du coup, à l'arrivée, ça fait qu'il est encore très très fort. La vitesse d'exécution, moi je trouve que depuis quelques temps, Il a été rapide. Non, mais quand je trouvais qu'il a été, il a été super pour sortir des ballons. Quand je parlais de la vitesse, COVID, je pense, oui, mais c'est vrai qu'on a fait un bien distinguo. Quand je parlais de la vitesse d'exécution, c'est que si on compare un Dupont tout de suite est dans l'explosivité que Morgan n'a pas. Mais par contre, voilà, Morgan, il est présent, il est là, il est. Comme tu disais, il rameute du monde. Je pense que derrière, quand il vous parle, ça percute. Morgan, déjà en 2010, on savait qu'il mettait la tête ou pas beaucoup d'avant, on voulait y mettre les pieds. Ouais. Donc voilà, c'est. Non, d'ailleurs, il nous fait peur quand tu fais ça. Non, mais oui. Non, mais... quand il reste couché par terre, là, des fois. Il y a plusieurs joueurs qui m'ont plu sur ce match. Parce que Morgan, bien évidemment, je l'ai dit en début d'émission. Les deux talonneurs m'ont plu sur ce match-là, parce que j'ai trouvé qu'en plus, il n'y avait pas eu de. Des fois, il y a un petit moment de flottement sur l'emplacement, et là, entre Pélissier, il n'y a pas eu du tout. Et puis, j'ai trouvé qu'ils avaient été présents. Le Fourcade un petit peu moins bien que d'habitude. Ouais, mais j'ai trouvé que les deux talonneurs étaient bien. Ojovan à droite, il est en train de confirmer une saison, il arrive de pro des deux, je trouve qu'il s'est super bien adapté à la difficulté. Et après, un mec qu'on ne parle pas parce qu'il est régulier dans ses performances, mais c'est Moala, quoi. Moala, encore une fois. Moala, dès qu'il touche le ballon, c'est énorme. Ouais, voilà. Je veux dire, c'est waouh. Moi, je trouve que Ituria, pour son deuxième match de reprise, a été très très bon aussi. Il a fait beaucoup de bien. J'ai trouvé que tu avais fait une bonne rentrée aussi, Paul. Tu dis ça parce qu'il est là. Non, pas parce qu'il est là. Mais il peut être témoin. Paul, je l'ai connu quand il a débuté en top 14. Je l'avais connu un peu en espoir. Je l'ai connu quand il rentre en top 14. Et je lui avais dit, pour moi, t'es un futur cul de mort. Non, tu te rappelles pas. Ouais, mais non, je n'ai pas la prétention. Non, mais c'est pour ça que tu t'accroches régulièrement sur le terrain. J'avais décrit que ça serait un bon deuxième ligne déjà. Non, après. Orovan, en début de saison, je ne sais pas, sur les premières émissions où je suis venu, je vous ai dit, c'est un futur d'Ato, ce gars-là. Regardez la progression qu'il est en train de faire. Les matchs qu'il fait. En fait, Pierrot, tu devrais aller à la cellule de recrutement de l'ASM. Non, mais je pense que Paul et d'Arthur, ils ont un point de commun. Il était venu dans Rock Arvergne. C'est Sam. Vous avez eu aussi Sam Chirouc. Ouais, on l'a eu. Tous les deux, chacun votre tour en espoir. Moi, je l'ai eu un petit peu comme ça. Ça n'a jamais été mon. Enfin, il a été mon entraîneur, mais je veux dire, j'ai jamais fait une saison complète avec lui. C'est lui qui m'a lancé dans les espoirs. Et après, on a terminé la saison avec Alex Audebert. C'était une bonne chose aussi. Il fait l'émission de Rock Arvergne aussi, Alex. Il en pense quoi, Paul, de Yato en seconde ligne, José? Alors, qui pose la question? Alors, on en a souvent parlé. Pécélie, c'est un joueur de très grande qualité. En fait, on en a discuté ensemble. Parce que il était, je sais pas, mais il est venu me voir plusieurs fois, on en discutait un peu tous les deux en disant qu'il était gêné et tout. Je lui dis mais qu'il n'a pas à être gêné, parce que c'est quelqu'un qui a des grosses qualités en troisième ligne et en deuxième ligne aussi. Ce week-end il marque un essai, regarde, voilà, il trace très vite et c'est quand même très solide. Et, après voilà, le choix de Franck de le mettre deuxième ligne, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose pour l'équipe. Et franchement, en toute honnêteté. Alors j'espère que tu as les épaules larges, hein, parce que Rochon Télévision te voit futur leader et un jour capitaine de l'équipe. Alors nous on signe tout de suite. C'est gentil. Bah, de toute façon il fait partie des leaders, je veux dire, même quand il y a eu... On est une cellule, oui, de leaders. Après moi ce mot leader je l'ai jamais... À partir du moment qu'on est professionnel, on doit tous être des leaders. On est tous des joueurs professionnels et on doit tous amener quelque chose de plus sur le terrain. Il y a des leaders naturels qui se font, comme Morgan en fait partie. Comme Camille en fait partie, comme Fritz Lee, comme Sébastien Vahamaina, comme Arthur. Parce que voilà, ils ont cette,
ce fait de pouvoir bien gérer pendant le match et d'être frais pendant le match, pouvoir prendre des décisions importantes. Et après, après oui, on a une petite cellule de leader, on échange pas mal, mais voilà, moi je suis un peu en retrait parce que pour moi, le rugby, alors attention à prendre un peu, mais c'est comme l'armée en fait. Il y a des gens qui sont là pour décider et il y a des gens après qui exécutent. Et qui exécutent. Et c'est, pour moi, c'est pareil. C'est un peu cette hiérarchie-là. Il y en a qui sont là comme capitaine et c'est quand il dit quelque chose, on y va tous derrière lui et puis à fond, quoi. Donc voilà. T'étais capitaine des espoirs dans l'année du titre Du titre en. Avant que tu. Ouais, on avait été champion de France, ouais. Champion de France avant de. En 2000. Capitaine. Ouais, alors. Capitaine. Ouais, capitaine. Il amène un essai d'ailleurs sur une grosse percée. Oui. Ouais, contre Bayonne. Ouais, contre Bayonne. Pris, je me rappelle, c'était le dernier match de la saison. Ouais. Dernier match de la saison. Premier match télévisé, espoir, sur Internet. On prend 50 à combien à, je crois à 7 à Bayonne. On avait pris une branlée, donc forcément Alex Audebert pas content. Donc toute la semaine, on s'est remonté. On est bien en finale 21-19, un truc comme ça. Donc c'était une bonne chose, mais bon. Voilà, il a passé avec une pénalité, avec une pénalité de Bayonne ratée à la, ouais, à la dernière minute, ouais. Ah oui, le titre là, se joue vraiment sur. Alors Tivosi veut savoir si tu parles japonais. Pour répondre à ces deux questions, c'est drôle parce que je réponds à celle d'avant en 2017. Ouais, c'est drôle parce qu'avec Pessignon, on finit tous les deux en deuxième ligne. Il n'y a plus de deuxième ligne du tout. Il finit à gauche et moi je finis à droite. Mais c'est japonais, vrai. Non, non, je parle pas japonais du tout avec Mats, mais. Mats parle un tout petit peu français, s'il vous plaît. Non, on arrive à se comprendre. On arrive à se comprendre, mais je parle pas japonais. Et j'ai vu passer un message te concernant. Ouais. Est-ce que tu peux chanter la chanson? Ouais, j'ai vu aussi tout à l'heure. Ouais, ouais. J'ai vu ça. Ouais. Et voilà. C'est mon pote Brico qui l'a mis. Ouais, c'est pas mal. C'est. Il chante bien, il chante. Ouais. Alors j'avais une autre question, hein, c'est Bruno Paul, mais il y a assez longtemps dans l'émission, hein, c'était au tout début. L'objectif minimum d'être dans les 6 est-il évoqué avec le staff depuis le début de la saison? Bien sûr. Il faut savoir que pour rentrer un peu dans notre intimité, à chaque début de saison, on fait un stage, et dans ce stage, en fait, il y a une soirée qui est dédiée, et on la refait encore à Brive, à nos objectifs. Du coup, notre objectif à nous, il est d'être sur les deux tableaux et de performer le plus loin possible. Donc forcément que d'être dans les 6, c'est une évidence. Et puis même pour nous, pour la SM, pour vous, pour ce club, c'est une évidence d'être dans les 6. Alors après, voilà, maintenant on a une période un peu clé de notre saison et on va tout faire pour rester dans les 6 et accrocher une qualification pour l'Europe l'année prochaine et d'aller décrocher ce bouclier de bonus. De toute façon, le président l'a dit, hein, je l'ai vu cette semaine, il a dit on terminera avec Franck, avec un bonus. Ouais. Moi je signe tout de suite. Alors, j'espère qu'on pourra aller voir quand même les matchs ou boire un canon parce que. C'est d'eau, hein, je précise pour mon coach, ça sera de l'eau, mais voilà, j'espère honnêtement qu'on pourra faire ça. Moi je suis pas au régime donc je prendrai la bière de. Non, moi j'irai avec Greg. Moi. Non, tu viendras pas avec moi quoi. Non, tu donneras les cartons de 20. Ouais, t'inquiète. Bah après, Emilie, elle dit je pense que Paul a la mentalité du leader. Enfin, là, Paul va pas répondre tout seul, mais ça reste un leader. T'es pas capitaine des U20 en équipe de France. Oui. T'es pas capitaine des espoirs champions de France. Ouais. T'es pas co-capitaine parce que c'est vrai que maintenant, avec les groupes pro et le fait que les effectifs tournent, on n'a plus un capitaine on a eu avec que Rougerie. Voilà. Et il fait partie des leaders, on le sait bien. Même encore l'année dernière, quand il a fallu travailler sur les contrats dus au Covid. Ça fait partie des mecs qui ont été en discussion avec. Ouais, ça a été compliqué. Voilà. Ça a été compliqué, mais après, c'est une décision, et toujours pareil, c'est une décision à prendre collectivement. Mais voilà, ce mot leader, moi, je ne l'accapare pas, mais on est tous des leaders, et pour rêver à ce niveau, il faut tous qu'on soit leader sur le terrain. Bon, il me dit, c'est bizarre, tu bois de l'eau gazeuse teintée, pourtant oui, mais c'est du citron. Bruno a une question, hein, parce que je l'ai vu passer tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de la relever. Est-ce que à l'entraînement, les fins de match, et alors tout à l'heure c'était plus précisément le money time, ce travail et comment en fait est-ce que vous les travaillez régulièrement ou pas du tout? Ouais, c'est une très bonne question de la part de Bruno. Je pense que on travaille en fait, la manière de travailler à la SM est beaucoup en déstructuré sous fatigue. Donc oui, on peut la travailler cette fin de match. Maintenant, comment on la travaille, soit en couplant des grandes séquences de jeu, et ça, ça c'est Franck, c'est Xavier Sadourny, c'est aussi Sébastien Bourdin qui prennent tout en charge, mais voilà, en travaillant sous fatigue, et en travaillant les mardis, on fait du contact, en travaillant avec du contact aussi, mais travailler ces fins de match, c'est possible à faire sous fatigue.
Je crois que en fait le fait que je boive de l'eau ne passe pas du tout, c'est pas du tout crédible. Ouais, t'es pas très, ouais, j'ai l'impression que t'es pas crédible, Alexis. Bon, bah, je suis pas crédible, bah tant pis. Bon, on va passer au match qui arrive, hein, ASM Brive, le match retard Covid, c'est le deuxième pour l'ASM, hein, le 1er mai, donc avec la défaite au Loup. Juste avant, si on peut voir le classement, du coup, on va en parler, hein, mais est-ce que pour vous, l'ASM doit obligatoirement s'imposer contre Brive? Et de toute façon, on m'a toujours dit, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Ouais, Toulouse, Toulon. C'est ça. Moi, pour répondre, oui, c'est même un match à 5 points à cocher. Pour se mettre dans les meilleures conditions ensuite, justement, parce qu'il y a le Racing sur ce terrain synthétique. Bon, même si maintenant tous les clubs pro ont un terrain synthétique qui peut, pour s'entraîner dessus, voilà, pour s'habituer au terrain. Mais enfin, l'Arena, c'est pas non plus un stade comme les autres. Ouais. Pas forcément facile d'aller y jouer. Donc ouais, moi, pour moi, c'est un match à cocher à 5 points, quoi. Ah, carrément de bonus. Ah ouais, moi je pense que alors on est bien d'accord que c'est victoire impérative, ça, il n'y a pas photo, mais ouais, je pense que c'est un match où tu peux te permettre d'aller chercher le bonus, parce qu'en plus Brive n'est pas une équipe qui ferme le jeu. Non, mais je veux dire, après on a des équipes qui ferment le jeu. Brive, ils envoient du pâté quand même. Ouais, 100 joueurs. Ouais. Donc ça peut être. Et ils en ont accroché plus d'un cette saison, ouais, notamment Toulouse, j'ai de tête Toulouse, Lyon aussi peut-être, enfin je sais plus, bref, ils ont fait des bons matchs, ouais. Ils ont fait des très bons matchs, donc c'est une belle équipe, ouais. Donc oui, voilà, donc victoire obligatoire. Alors ton pote Brico me dit que si moi j'aime pas l'eau, il va falloir que tu me fasses goûter la capricette. Je te ferai goûter, ouais. Il va falloir que tu me dises ça. donc ouais, alors bonus offensif obligatoire pour vous, si vous avez donc, on va dire un pronostic, hein, Pierre, pour samedi. Ouais, victoire à 5 points. 28-15. Moi je vais rester sur les numéros de nos départements, donc 63-19. C'est bon. C'est l'objectif que je suis sur. C'est très bien. C'est très bien. Coco. Ah, je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins d'écart. je sais pas trop mouillé, mais je sais pas, un 25. 25-19, tiens, je garde le 19. Ah ouais, quand même, vachement serré avec le point de. Ouais, d'accord, ok. Bon, Paul, tu seras pas du coup, ou ça va être tendu pour que tu sois dans le groupe. Si jamais tu n'y es pas, tu fais quand même le déplacement ou tu. Bah, vu que c'est ici en fait, du coup. Au stade, bien sûr, ouais, bien sûr. Nous, le groupe, on y va, et même c'est une très bonne chose d'y aller, on peut y aller. Du coup, nous, on peut en bénéficier. Voilà, on peut échanger. Non. On y va, et donc, du coup, on a rendez-vous 20 minutes avant le match, et on se retrouve dans les tribunes. Et puis après, on va surtout dans les vestiaires, voir les mecs, prendre soin d'eux, essayer de boire une bière avec eux et puis pouvoir passer, de débriefer un peu. Jean-Luc le dit d'ailleurs, hein, ouais, Brive sera quand même affaibli, donc c'est peut-être le bon moment de les prendre. Oui, c'est peut-être le bon moment de les prendre. De toute façon, il faut les prendre tout de suite. C'est compliqué, ouais. Ouais. Nous, on n'a pas été touché énormément, ouais. Je touche du bois parce qu'on a encore un test demain, mais du coup, ouais, c'est compliqué quand tu coupes. Et on a vu Castres, ouais, en début d'année, qui avait pris... très cher, alors ouais. Très très cher, ouais. Mais même de ce, alors j'espère qu'ils sont entraînés entre temps par petits groupes, je sais pas, mais en 2 semaines de pas jouer, mais malheureusement c'est une saison particulière, c'est comme ça. Saison particulière, oui, c'est sûr. Et c'est le mot de l'année, c'est compliqué pour tout le monde. C'est très compliqué. C'est compliqué, et d'autant plus que là on a, c'est un point qu'on en a parlé tout à l'heure, on a une saison très longue, on a des fois des semaines où on pourrait mettre des vacances, mais on peut pas parce que y a des matchs reportés. C'est ça. Alors on se plaint pas, loin de là, on se plaint pas du tout, parce qu'on joue, au moins on est heureux de jouer. Il y a des gens, il faut penser à eux, dans le rugby amateur qui ne jouent pas, il y a des clubs qui sont en train de vraiment. Bon. Ouais, ouais. Et puis mon frère en fait partie à Châteauroux, et donc du coup ils nous regardent, courage à eux, parce que nous on a la chance de jouer, et je pense qu'il faut pas qu'on se plaigne. Ouais, donc du coup voilà, c'est un peu ce qu'il faut qu'on montre aussi sur le terrain, c'est cette envie-là, en fait, de faire plaisir aux gens. Ouais, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier, je suis d'accord, mais moi j'entends le discours sur le fait que pas prendre de vacances, il ne faut pas se plaindre, il faut être aussi réaliste, où vous faites un sport où il y a du contact.
Oui. Et où la gestion du corps est quand même super importante, quoi. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que je parlais plus. Moi, pour moi, les vacances, c'est jamais des vacances. Non, mais voilà, c'est ça, en fait. Mais c'est plus, en fait, le fait de régénérer les corps. Oui, c'est ça. Et un peu de savoir que ces matchs de dernière minute, ils sont annulés. Et ben, des fois, t'essayes de bricoler un peu. Donc, on se plaint pas, mais je veux dire, dans le sens où c'est assez. Des matchs où, ben, bien sûr, on cible, des fois, on dit, ben, là, il y a 4 matchs, il y a une semaine. 4 matchs, une semaine. Et donc, du coup, on arrive un peu à se faire des blocs et puis enchaîner comme ça. Mais du coup, c'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais c'est une saison particulière. Et Franck aime nous le répéter, on fait le plus beau métier du monde. Et moi, je le rejoins sur ça. Le fait qu'on puisse jouer, c'est une chose qui est géniale. Passion, ouais. C'est quand même... Ouais, surtout qu'on puisse jouer avec tout ce rugby fédéral qui est. Pour résumer, c'est Seb Bourdin qui a le plus de boulot cette année à l'ASM. Ouais, et puis les préparateurs physiques avec Marc et Ben. Et le petit Vincent aussi. Et puis les kinés, ouais. Les kinés, on parle pas souvent d'eux, mais ouais, ils sont toujours là pour nous et on les remercie encore. Ouais. Seb Bourdin, qu'on a remis un petit peu en cause, remis en cause entre guillemets, mais qu'on s'est posé des questions plusieurs fois sur la préparation physique par rapport aux... Quand on avait les blessés, il y a deux ans. Par rapport aux blessures, moi je pense pas que ça soit sa faute. Je pense pas que ce soit sa faute, ou il n'y est pas que lui en préparation. Non, mais parce que c'est très compliqué. Seb fait un boulot vraiment monstre. Il est tout le temps au club, il est à partir de 6h du matin. Voilà, donc du coup, il se creuse la tête par rapport à ça. C'est quelqu'un qui aime la prépa physique, qui vit ça à fond. Mmh. Donc, faut pas, par rapport à ça, faut pas le remettre en cause. Après, est-ce que c'est pas le fait, ça fait un petit moment que je le dis, est-ce que c'est pas le fait que vous soyez surmusclé à quelque part ? Et qui fait que, à force d'être surmusclé, ça casse comme du verre à chaque fois que vous prenez un... Après, non, parce que tu vois, t'as des gars qui physiquement tiennent le choc, t'en as d'autres qui sont un peu plus fragiles physiquement. En fait, c'est cas par cas. Il parlait de Venter Reinhardt, qui est notre copain pectoral. Ouais, pauvre vieux, il a pas de chance. Il s'est blessé. Malheureusement, on s'est un peu moqué. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'il a pas joué et il se pète le pectoral. Il y a Chucky qui a récupéré sa coupe de cheveux. Ah oui, j'ai vu. Ouais, très beau mulet. Ouais. Mais pour Reinhardt, c'est quelqu'un qui est super et c'était malheureux parce que le pauvre, il vient déjà en joker médical, il joue pas tellement et il se fait mal, il se rompt le pec, donc c'est compliqué. Quoi. C'est dur et puis d'être loin de sa famille. C'est qu'en plus, il a gagné le retour. Hein. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Alors, Elvis Vermeulen dit le changement de terrain d'entraînement, c'est ça le problème. C'est sûr, Elvis, je te fais un bonjour Elvis. ouais, c'est sûr qu'avant on avait un terrain qui était... les changements de terrain d'entraînement, c'est ça le problème, non ? Il a connu le synthétique, Elvis, ou non ? Il ne l'a pas connu, je crois pas. Oui, il a dû... Elvis, si, on allait au synthétique. Il y avait le synthétique au Grand Chêne, à côté du stade. Ah, le Grand Chêne. Mais là, ce n'est pas du synthétique, c'est de l'hybride. Mais de toute façon, Elvis... De quoi ? Chez nous ? Non, mais il s'entraîne aussi sur le... Mais le terrain de la plaine, à la plaine, c'est un synthétique. De toute façon, Elvis, il n'a pas connu blessure, de toute façon. Très peu. Très peu. À part le nez, non. Régulièrement à chaque match. Mais tu vas charger, toi. Tu vas charger. Non, mais c'était fessier opéré parce que moi, je m'en souviens d'une hernie discale, il me semble. Oui. Juste avant la Coupe du Monde. On avait fait un match ensemble en espoir et il était venu jouer avec nous. Et moi, ça m'avait à l'époque, je me rappelle, impressionné parce qu'il nous avait parlé dans les vestiaires, il nous avait remonté le bourrichon. Et je crois qu'on jouait. En plus, ça avait été gadouilleux, c'était atroce, c'était au Gravanche. Et depuis, les terrains sont dépourvus, nickel. Mais du coup, ouais, ça avait été. On avait joué ensemble. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Elvis. Ouais, je crois qu'il est apprécié par beaucoup de rugbymen à l'ASM. Très. Il a marqué le club et il fait des très bonnes choses encore avec le cube. C'est dingue. Ouais, tout. Bah déjà, c'est bien qu'un mec de l'ASM puisse. Oui, c'est un mec qui s'est jamais pris au sérieux. Il a toujours été lui-même qui partait dans le petit club à côté, qui avait fait une belle carrière et qui partait Il était d'abord intervenu à Beaumont et c'est vrai qu'au CUC, les seniors cette année, c'est un peu raté une fois de plus, mais. Mais ouais, l'école de rugby, parce que l'école de rugby du CUC était quand même mal en point. Hein. Mmh. Et là, je crois qu'ils sont à plus de 100 gamins. Donc, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais il y a, tu vois, dans le même système, je vais leur passer un bonjour, c'est aussi à Commentry, où ils font une... Alors, bien sûr, j'aimerais aussi Châteauroux, mais je veux dire, Commentry, pour connaître un peu, être en contact avec eux, c'est que, voilà, il y a des gens, et c'est encore tous ces bénévoles, en fait, dans le club, qui font les clubs amateurs, et c'est eux qu'il faut mettre en avant. Elvis fait un boulot énorme, mais avec tous ces bénévoles, c'est ce qui fait que là, il n'y en aurait pas, on ne serait pas là, et moi, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, parce qu'on doit tout aux bénévoles, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai. Et même à l'ASM sur les écoles de rugby. Hein, ah oui, je reprends dans tout. Jean-Luc qui rebondit sur le fait que Elvis loupe la Coupe du Monde justement sur sa hernie discale.
Non, mais. Non, mais je suis en train de lire un truc. Non, c'est Phil Blues qui dit j'ai tous les albums d'Elvis. Alors, on parlait pas du même Elvis, c'est Phil Blues. Il est con, celui-là. Pardon. Pardon, c'est t'as bien fait. J'avais lu, bon, je voulais l'enlever, mais tu l'as fait, t'as bien fait. Bon, alors, on va bien entendu passer sur la question qui est revenue. Hein. Aurélie, je t'ai pas oublié, je n'ai pas lu que des bêtises, j'ai lu aussi ta question, mais tu l'as posée très très tôt dans l'émission, et c'était une rubrique qui est arrivée après. Donc on va parler bien sûr de Jono Gibbs, qui revient en terre auvergnate et qui va prendre la tête de l'ASM. Donc alors, il y a deux questions. Aurélie qui te demande ce que tu en penses en fait du retour de Joe. Il va pas le décaler. Ah bon, pardon, je pensais que tu parlais. Regardez les trucs, moi. Non. Ce que j'en pense du retour de Jono, c'est une bonne chose pour le club, parce que c'est quelqu'un qui est très, enfin, qui a une vision par rapport au rugby qui est énorme, et il va nous apporter. Je tourne une page, mais moi je suis quelqu'un de, comment on peut dire, de qui marche à l'affect, et t'es comme moi. Ouais, moi je suis quelqu'un voilà, tu vois, mais je suis quelqu'un qui marche à l'affect, alors forcément que ça m'affecte un peu, mais voilà, certains départs et forcément avec Franck qui s'en va, après je sais pas ce que feront les autres, mais le départ de Franck m'a beaucoup affecté quand il me l'a annoncé, et du coup après, pour revenir sur Jono, c'est une bonne chose parce qu'il va nous apporter voilà un peu sa vision des choses qui va être du rugby, pardon, qui va être forcément différente de Franck. Donc c'est un renouveau, et du coup il va nous apporter du rugby un peu à sa vision. Et ce qu'a Franck aussi, ce rugby un peu à la néo-zélandaise, cette structure à la néo-z, du coup voilà, il va nous apporter. On a vu, tu le dis, que tu as été touché par l'annonce du départ de Franck, et on a l'impression que Franck, au sein de l'équipe, il était vraiment beaucoup apprécié et beaucoup aimé, parce que t'es pas le premier à nous le dire, et c'est vrai qu'on a vu notamment Camille Lopez qui disait demain sans Franck ça va me faire bizarre, parce que je suis arrivé avec lui et ça va me faire bizarre. C'est ce que tu dis, on est beaucoup en fait à avoir été lancé par Franck, même si moi un de mes premiers matchs a été avec Verne, c'est Franck après, j'avais fait 3 matchs avec Verne et c'est Franck après qui a pris le relais. Donc cette relation qu'on a avec Franck, elle est tous les joueurs. Tu parles d'Arthur, tu parles de Pesselli, tu parles d'Étienne Falgou. Tu vois, tu prends chaque mec dans le pack quasiment à quelque chose avec Franck. Donc forcément que ça va laisser un vide. Ça va laisser un vide, mais Franck veut le faire de la meilleure des manières. Et c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui ne lâchera jamais le morceau jusqu'à la fin. Donc du coup, il va tout donner jusqu'à la fin et pour avoir la meilleure transition possible avec Jono. En tout cas, enfin, du côté supporter, c'est plutôt un retour apprécié, voire même un soulagement pour certains. Hein. À un moment, oui, parce que quand il était question d'Olivier Magne, excuse-moi, mais... Ça a été vraiment pris au sérieux d'ailleurs au sein du club, mais... Je pense que si ça en a été parlé Mais après, comme tu disais tout à l'heure, Paul, c'est vrai que tout ce qui se dit dans la presse. Il faut faire attention à tout ce qui se dit dans la presse. Tout ce qu'il a, surtout la montagne. Après, voilà, le côté positif, c'est que Jono Gibbs était dans la shortlist que nous avait exposé le président. Ouais. Voilà, parce qu'on savait, même si c'est sorti dans la presse, qu'il y avait cette shortlist. Mais avec beaucoup d'entraîneurs qui ne pouvaient pas se libérer sur cette fin de saison, malheureusement. Oui. Mais il faisait partie du quatuor si j'intègre Xavier Sadourny dans les possibles choix de la shortlist au départ. Ouais. Après, Jean-Michel nous l'a jamais caché, mais il a fait appel à pas mal de personnes et il a vu pas mal de personnes. Oui, voilà, c'est ce qu'il nous avait dit quand il était intervenu. Et Insane ne nous l'a jamais caché. Ouais, parce qu'il est venu ici sur ce plateau et il nous avait dit exactement la même chose, qu'il avait quand même ouvert un gros panel de CV. Donc après, ce que je dis dans la presse, c'est forcément peut-être des échos, mais je veux dire, après voilà, c'est... Alors, du coup, il nous a aussi dit qu'il communiquait beaucoup avec ses joueurs et avec le staff, ce qui est vrai, visiblement. Jean-Michel. Oui. Quand il y a eu l'annonce de Franck, forcément après il nous a contacté certains joueurs au téléphone pour qu'on discute une petite heure chacun avec lui, quoi, pour avoir notre ressenti. Parce que c'est notre ressenti, et après je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça par rapport peut-être à son poste qu'il avait à Michelin et qui a besoin de ça. Et puis c'est difficile, il est quand même arrivé et sur un moment compliqué qui a été un peu précipité par le départ d'Eric. Il a été, même si Eric avait commencé un peu à prendre un peu ce relais, il arrivait quand même un peu précipitamment, mais il a fait plutôt les choses bien.
Et je dis pas ça parce que c'est notre président, mais il a fait les choses bien. Non, non, je pense qu'on a un bon ressenti. En tout cas, il a été honnête, il a été clair. Même ici, c'était une de ses premières interventions. Voilà, les objectifs, il les a fixés. Je pense qu'avec ce qu'il nous a dit, nous, il a bien dû vous parler aussi pour vous les fixer aussi. Ah oui, oui, oui. Oui. Enfin, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit un président qui soit absent et qui ait tendance à plus parler dans la presse que. Ouais, je pense qu'il va plus souvent vous parler en réunion. Oui. Il est souvent là, il est souvent au bord du terrain et on a un échange avec lui. Ouais. On a beaucoup d'échanges. Alors, bah, comme tout à l'heure, tu le disais, que tu as été affecté vraiment par le départ par l'annonce du départ de Franck. Stéphane, alors j'ai mangé son nom, j'ai pas écrit son nom, j'ai juste écrit son prénom. Stéphane posait la question est-ce que, selon toi, et peut-être juste pour ta personne, est-ce que ces annonces, ces transferts au milieu de saison, ça peut affecter un joueur, le club, ou voire la saison? Ça peut perturber, voilà. Est-ce que ça peut changer des choses? Oui, ça peut. Oui, ça peut, ça peut. Et c'est comment, enfin, tout après, un peu est tenu par la manière dont c'est fait, en fait. Et Franck a toujours été, comment on peut dire, transparent avec nous et nous a jamais rien caché. Voilà, il a dit que oui, ça allait être annoncé dans la presse qu'il allait partir. Forcément, qu'autour de ça, il y aura peut-être du mouvement. Je ne sais pas encore. Mais à partir de là, en fait, on a beaucoup échangé et il a dit, mais moi, je vous lâcherai pas jusqu'à la fin. Et enfin, je veux dire, ça n'a pas été, il n'a pas voulu, il veut pas ça, en fait. Le fait qu'il parte, c'est une décision personnelle. Du coup, voilà. Après, le fait de... Il fallait rebondir très vite dans les choses. Donc, plus vite c'était passé, mieux c'était. Plus vite c'était évacué. Voilà. Plus vite, on aurait pu se projeter sur la suite de la saison. Ouais, et puis, après... Sur les records, ça... Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que tu peux changer. Non, mais c'est un pote aussi. Mais... Ouais, mais Jean-Pierre, j'ai pas d'ordre de recevoir à quelqu'un qui a la coupe de Wolverine. Ouais, c'est... Ouais, je suis mis en ligne. Donc, il n'y a pas que moi qui lui ai chargé à la fin de l'émission. Non, ouais, mais non, c'est un ami. Non. Je le battrai à la pétanque. Alors, on a vu Lucio, qui est un de mes collègues du rugby, qui dit que cette bonne fois... Oui, ça m'a fait rire. C'est son entraîneur à bon moment. Voilà, je pense que c'est niveau salaire. Il en demandait trop et c'est pour ça qu'on l'a pas pris. Après, j'ai vu... Alors, c'était Antoine, aussi un collègue du rugby, qui demande si... moi, j'ai pas entendu cette rumeur, mais il paraît que Jono, d'ici deux ans, viendrait... Enfin, que Brand James viendrait le rejoindre. Est-ce que vous en avez eu des décos ou pas non. Du tout? Alors, pour être totalement transparent avec nous, pour l'instant, il nous a juste été annoncé Jono. Et le président a été totalement transparent avec nous sur le fait que le staff qui l'accompagnerait n'était pas du tout fait pour l'instant. D'accord. Donc, du coup, par rapport à ça... C'est un peu spéculé que de dire dans deux ans, Rob James va arriver. Et puis, il y a l'aspect... Enfin, là, ça concerne le président et plus les joueurs. Mais il y a l'aspect financier, gestion des contrats. Et tout à l'heure... Je me suis dit, moi, j'aimerais bien que Brock revienne. Non, mais il y a... Ouais, mais bon, Brock, c'est bien beau. Enfin, moi, Xavier Sadourny, je l'aime bien aussi. Oui, non, mais après, je dis ça. mais j'ai le droit de dire des trucs de filles, quand même. Mais toi, c'est que pour le beau gosse. Pour le alors, la femme de Brock aussi est très belle. Oui, est très belle aussi. Tout à fait. On voit que tu aimes beaucoup Brock. Alors, par contre, on a vu que tu ne l'aimais pas du tout. Mais les commentaires ont défilé. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose contre moi. Non, il a dit, ou elle, je sais pas qui c'était. Ah, tiens, on remarque qu'elle n'aime pas trop Olivier. Moi, je vous le dis, quand j'aime pas les gens. Hein. C'est je vrai, me dis aussi quand je les aime parce que je marche à l'affect. Après, oui. voilà, on est pareil. On dit pas qu'on aime pas Olivier Maine non plus. Oui, ça a été un super joueur. J'ai vu passer des commentaires. Mais ça n'a rien à voir avec. Évidemment, ça a été un super joueur. Ça n'a rien à voir avec. Moi, personnellement, j'avais pas envie de le voir comme entraîneur non plus. Ça a été un très bon joueur, mais sa mentalité et son caractère, je n'aimais pas du tout. Voilà. Alors, juste une toute petite parenthèse. Hein, si vous avez des questions qui concernent pas que le sujet de Jono Gibbs, sur un peu tout, et notamment sur Paul, puisqu'on l'a ce soir, il faut en profiter. J'en ai vu une passer sur Paul qui s'adressait à Paul. C'était quoi? Que c'était un deuxième ligne moderne et est-ce qu'il continue à penser au bleu? En toute honnêteté, moi j'ai toujours pris, tu vois, j'ai jamais aimé les comparaisons, mais forcément qu'après pour jouer au plus haut niveau, il faut quand même avoir un panel un peu de deuxième ligne maintenant qui est énorme dans le sens, tu vois, quand on regarde des très bons joueurs, dont un qui va nous arriver la saison prochaine, Thomas Lavanini, par exemple, mais quand tu vois Ezebest, quand tu vois les Watlock, quand tu vois Retallick, c'est quand même des
joueurs qui font énormément de choses et qui ont un panel de compétences. Voilà, ils peuvent tout faire. Donc, du coup, moderne, je ne sais pas si c'est ce terme, mais poussé à s'améliorer au quotidien. J'essaye de faire ça. Et pour penser au bleu, je pense qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, je ne fais pas partie du wagon. Mais ce n'est pas pour autant que je lâcherai l'affaire. Parce que jouer pour sa nation, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai eu, je l'ai fait. Et forcément, j'ai envie d'y retourner. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut être honnête, je ne suis pas dans le wagon. Donc du coup, voilà. Mais ce n'est pas pour autant que je vais lâcher l'affaire et qu'on a bien vu que voilà, je vais continuer à travailler et que certains deuxième ligne, ça pouvait changer, que ça changeait suivant le sélectionneur, suivant tout ça. Donc du coup, il y a... Sur les blessures. Donc du coup, voilà. Et voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est... je ne suis pas dans le wagon. Tu vois, je serais copine avec Galtier, j'en toucherai deux mots. Ah, non, mais par contre, c'est vrai qu'avec la saison que tu fais, parce que tu as paru peut-être l'année dernière plus emprunté que tu l'es cette année. Moi, à un moment donné, quand il y a eu les blessés en deuxième ligne, j'ai eu cet espoir, je ne sais pas si j'y ai cru, mais j'ai eu cet espoir qui te rappelle, parce que je trouvais justement que tu rentrais dans le wagon. Alors après, c'est vrai qu'ils... Tu sais, après, c'est... ils ont tendance aussi de vouloir viser la jeunesse pour tester derrière. Il y a une chose, et je trouve qu'il y a une bonne chose en équipe de France, c'est que Fabien Galtier s'appuie sur une structure d'équipe. Et l'a fait un peu à l'anglaise, quoi. Et on a une super équipe, marche, et c'est une très bonne chose, et c'est ça qu'il faut dire. Et donc, du coup, il y a une rotation. Super joueur, parce qu'on a vu un match en Angleterre quand ils sont partis, qu'ils devaient prendre une branlée phénoménale. Ils les ont accrochés, ils les ont amenés au truc. Donc, du coup, ils s'appuient sur des joueurs, et c'est normal, sur une ossature, et c'est ce qu'il faut garder. C'est peut-être ce qui, à l'époque, forcément, un peu quand ça tournait toutes les 4 ce matin, non. Pour aller aussi dans le sens, deuxième ligne, il faut aussi avoir de la bouteille. Enfin, quand on arrive sur le très haut niveau, il faut aussi avoir un peu de bouteille, un peu de vécu. Tout de suite, tu prends notre deuxième ligne de l'équipe de France, c'est pas de genoux. Hein. Non, bien sûr. Et après, c'est plus facile de mettre des jeunes. Oui, tu arrives aussi à cette maturité où tu as quand même. Je sais pas combien de matchs en H-Cup, t'as des caps, t'arrives, on est sur ce poste-là où tu peux. Voilà, c'est bien d'avoir des Gérassi et consorts. Pour parler de mon cas perso, il y a eu des moments plus compliqués, mais c'est ce qui fait aussi que ce niveau-là est dur en fait. Et puis moi, je suis totalement transparent par rapport à ça. Il y a eu des bons moments plus compliqués, mais après, ça n'empêche pas que voilà, c'est la maturité qui fait les années après années, l'affect aussi à côté qu'il y a. Il y a tout ça qui rentre en jeu, mais pour moi, je vais pas lâcher l'affaire. Et puis voilà. C'est bien. Alors, j'ouvre encore une petite parenthèse pour répondre à Alice, Antoine et je sais plus qui. On va en parler du top 15, de l'H Cup, tout ça. Ça sera juste dans la rubrique, dans la toute petite rubrique qui suit. Hein, il n'y en a pas pour très longtemps. En attendant, j'avais une question d'Eléonore pour Paul. Il y a certains matchs sans public, on les perd. Est-ce que, selon toi, avec public, ça aurait pu changer l'issue? Oui, j'en suis persuadé parce que le public quand on vous voit avec nous, quand on a toute cette euphorie dans le stade, ça nous transcende. Quand on va sur des matchs coup près, forcément que votre appui est important. Et du coup, on a vu, il y a un sondage qui a été fait, qui était pas mal d'ailleurs. Je trouvais qu'il y a eu beaucoup plus de victoires à l'extérieur cette année que les années précédentes. Donc forcément que ça y joue. Ah oui, c'est vrai. C'était le record de victoire à l'extérieur parce qu'il n'y avait plus le public pour... Ben oui. Là où tu es un peu intimidé, et pour en revenir au match de ce week-end, les matchs à Brive, c'était phénoménal. C'était à peu près, c'était top, quoi, parce qu'il y avait de l'animosité, mais c'était pas méchant dans c'est le pas sens méchant, ouais. où tu vois, à la fin, on allait voir on passait dans les supporters et puis c'était tranquille. C'est cette chance-là qu'on a au rugby. Naya l'a dit au début deux ou trois fois, on ne l'a pas relevé, mais vous aurez quand même votre trophée d'honneur visiblement samedi au stade. De quoi oui, j'ai vu ça. C'est cool à chaque fois. Merci parce que vous pensez à nous et c'est top. Ouais. C'est top. Alors, il y a une question d'Antoine qui te demande si tu te rappelles de tes premiers entraînements à l'ASFC Commentry et ta bonjour de Titou Xavier Chabot. C'est gentil, je leur retourne le bonjour. Alors, pour moi, j'ai jamais commencé à Commentry, j'ai fait toute mon école de rugby à Châteauroux, dans le 36. Alors, je suis né pour tout à l'heure. Tu m'as fait un petit. Non, je suis né à Commentry, mon papa est de Commentry, ma maman est de Béziné, donc de l'Allier, et je suis parti à Châteauroux à quasiment 4 mois. Donc en fait, j'habitais à la campagne, après, hop, on a déménagé à la ville, et à la ville, j'ai connu le rugby, donc j'ai fait toute mon école de rugby à Châteauroux.
Mais en revanche, je passe de très bons moments et je suis un Commentrien de cœur. Parce que mon papa, il en jouait au rugby à Commentry. Avoir joué à Commentry, rugby plus que rugueux, pardon. Non, mais je suis un Commentrien de cœur et je suis le parrain avec mon ami. Il est stade avec la. Avec le vélodrome. Mon meilleur ami Julien Cazubec, on est parrain de l'école de rugby et c'est une fierté pour nous. Parce que moi, vu que je suis un peu d'adoption, c'est top. Parce qu'à travers ce que mon papa a fait et toute ma famille a fait là-bas. Ben, c'est plutôt un honneur, quoi. Alors, si tu dis qu'à Commentry, c'est un jeu assez rude, ils sont assez sanguins, Paul a quand même gardé de petites traces de tout ça, parce que même s'il ne veut pas le dire, parce que ça fait 2-3 fois que je le vois dans les interviews, et même ce soir, je trouve que tu es quand même quelqu'un de sanguin, et c'est ce qu'il nous faut. Moi, je trouve que... Je suis quelqu'un qui marche, encore une fois, à l'affect. Et quand quelque chose me touche, je peux pas rester dessus, ça me... Enfin, c'est compliqué. Après, je suis quelqu'un aussi de réaliste. Donc, du coup, voilà. Mais ouais, sanguin, il en faut. Mais il faut penser à quelque chose aussi, c'est que quand tu arrives dans un milieu top 14, ben forcément, même quand tu joues au rugby, vous avez joué au rugby pour certains. Mmh. Mais il faut quand même rentrer dans sa bulle et rentrer dans un sport de combat. Oui, c'est comme sûr, si on disait à un boxeur, vas-y, enfile les gants, mais vas-y, peinard, quoi. Ouais. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc forcément, au bout d'un moment, on s'accroche. Forcément que j'aime le maillot, j'aime les coéquipiers aussi avec lesquels je joue, et que forcément on s'accrochait. Mais ça s'est toujours fait dans le respect. Dans le respect, j'ai jamais été, et je pense que ça serait vu. J'ai dû prendre deux cartons, un carton jaune sur nervosité ici à Contre-Brive. J'ai encore en tête, et un autre à Lyon sur une faute technique. Mais voilà, je pense que j'aurais été beaucoup plus de cartons rouges que ça. Aurélie qui demande si 13 ans, j'ai vu. À 13 ans. À 13 ans, ouais. À 13 ans, ouais, ça fait déjà 4 mois, peut-être pas, mais 13 ans. Alors, Aurélie demande si tu penses que, une fois que tout ça, ça finit, le Covid, tout ça, les cellules de protection, les protocoles sanitaires, est-ce que vous avez envie, et peut-être est-ce que vous aurez le droit d'être aussi proche des supporters que vous l'aviez été avant tout ce Covid? Parce que c'est vrai que pour nous, alors je vais parler pour ma paroisse, hein, c'est vrai que, donc, je pense que tout le monde le sait sur le plateau aussi, hein, Paul, c'est le parrain de mon association, des morts du jeune. Et c'est vrai que c'est important pour nous cette promiscuité que tu as avec nous, et je pense que ça inquiète pas mal de supporters de savoir si le sportif fera comme avant, si bien sûr les règles sanitaires il y aura quelques temps. Ça sera, alors j'ai envie de dire oui parce que moi ça me manque tout ça, et ça manque à pas mal de joueurs. J'ai envie de te répondre oui, mais après je sais pas. Oui, bien sûr. Parce que tu vois, maintenant moi je pense que le masque fera partie de nos vies. Je pense que pour les générations futures, ça fera partie de nos vies. On va devoir passer, qu'on soit pour ou contre, par la vaccination. Je pense on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'au début, c'était compliqué. Maintenant, voilà, moi, je suis très content. Ma femme s'est fait vacciner. Mes parents sont fait vacciner. Donc, je suis très content par rapport à ça. Parce que quand on voit encore les salles de réanimation qui sont engorgées, comme tout, quand on voit les personnes qui sont parties... C'est affreux. Donc du coup, pour revenir sur ta question, Alexis, j'espère, mais je pense qu'il y aura des règles, malheureusement. Tu vois, un peu, toute cette communion se retrouve mal, mais il y aura des règles. Je pense, Parce qu'on ne peut pas avoir 20 cas d'un seul coup dans le club, tu vois. Oui, non, bien sûr, ce qui est tout à fait logique. Bon, on verra. Je savais pas que Jean-Claude Ruteau, c'était... Jean-Luc, il le dit, Jean-Claude Ruteau... Et Châteauroux, et à chaque fois que je le vois, on en rigole toujours, et il me raconte des bons souvenirs. Il a voulu, quand mon papa joue à Commentry, il a voulu le ramener à Châteauroux, et mon papa reste à Commentry. Mais du coup, Jean-Claude, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Jean-Claude, c'était un des CTR, conseiller technique régional. Oui, mais je sais qui c'est. Sur le comité d'Auvergne, avant Salle-Cherroux, justement. Non, ah oui, j'ai voilà, pas qui c'était. Pour ça, parce que, ah oui, d'accord. Oui, parce que même. Et qui était à l'école de rugby. À l'école de rugby de l'ASM. Il n'est pas né, lui. Et Éric Ruteau, moi, m'a entraîné en junior à l'ASM. Avec Xavier Verdi. Ah ouais. Avec Xavier Verdi, ouais. Donc, non, c'était... c'était des bons moments. On va terminer sur une dernière question avec toi, et puis on passera sur le carton rouge. Sur une question de Phil Blue, alors je ne sais pas si c'est amateur de foot, mais il demande, avec la possible montée en Ligue 1 du Clermont Foot, et si ça se fait, que penses-tu de la dualité des deux sports à haut niveau? Est-ce que tu penses que ça peut être un plus ou... C'est un plus. C'est un plus, je pense. C'est un plus, c'est un plus pour la ville, c'est un plus pour l'Auvergne. Et puis c'est pas les mêmes spectateurs, hein. Enfin, y en a qui... La capricieuse revient. Alors pour le
lever le voile. Après on reviendra sur le football, parce que cette question-là... La capricieuse est un... dans le Berry, il y a des brebis, donc il y a du lait de chèvre, il y a tout ça et tout, et c'est très bon. Et donc, du coup, ils en ont décidé d'en faire un alcool qui s'appelle la capricieuse. Et c'est un copain à moi, Alex Risotto, qui l'a faite. Il fait aussi de la vodka, tout ça et tout, mais s'est lancé dans ce business. Et effectivement, un jour, je leur ai ramené une bouteille de capricieuse qui est en fait une liqueur de brebis. Et qui est très forte de goût, en fait. C'est de la chèvre. Donc ça vaccine aussi, ça vaccine, ça fait tout. Mais il me semble que, parce que je lui ai écrit après à Alex, et donc du coup il m'a dit que celle à la châtaigne était meilleure. Mais l'original, est, j'en fais la pub, parce qu'il faut... Achetez-en. C'est un peu fort. On aider les entrepreneurs, donc on lui achètera quand même. Alors après, moi j'ai pas de chèvre, donc... Mais j'ai pas mal de copains, et notamment avec Vincent et Seb et Thomas Domingo, qui ont le devant en centre-ville, le restaurant, mais ils veulent pas en mettre à la carte. Mais je leur dis, par contre, avec ça, ils montent de gras, donc tu vois, ça rentrerait vraiment limite l'étoile, si tu veux. Ouais. Ça. T'as eu un coucou de ta femme aussi, Justine. Ah, j'embrasse. Ouais. Bisous, mon amour, j'arrive pour manger. Après, c'est parce que vous êtes plusieurs joueurs à être en couple avec des filles qui travaillent dans le milieu médical, donc oui. Tu parlais du Covid, et c'est vrai que... Ma femme est infirmière de bloc opératoire, donc elle dans le privé, elle est un peu moins touchée par le Covid, elle en subit un peu les conséquences, elle a pu être vaccinée, ça c'est une très bonne chose, et du coup après, la femme aussi d'Étienne Falgou, elle par contre a été, et puis on a aussi Mathilde qui est chez nous, et qui était dans le service... Dans le service RA, donc qui est forcément. Justine, j'ai faim. Oui, ça va arriver. Promis, Justine, on va te le libérer. Non, prenons le temps, comme ça. On mange une salade ce soir, prépare la salade, mon amour. Donc du coup, alors pour le foot, tu disais que pour toi, c'était une. C'est une très bonne chose pour l'Auvergne, c'est une très bonne chose pour l'Auvergne, c'est une très bonne chose pour nous. Et la dernière fois, on en parlait avec Wesley Fofana, je rêverais qu'on puisse faire un tu sais, je ne sais pas si vous l'avez vu, Toulon, là, ils l'ont fait. Ça pourrait être une belle fête. Si, après si, avec Marseille. Ouais. Avec Marseille, ils avaient fait un truc. On pourrait imaginer ça, je ne sais pas, ça serait drôle. On pourrait, en post-Covid, faire un truc comme ça et rigoler pour avoir des bières. C'est vrai. Et donc du coup c'est une bonne chose pour l'Auvergne, et surtout après sûrement peut-être qu'ils pourront jouer au Michelin peut-être aussi, donc ça pourrait être drôle aussi de voir les Michelin avec des cages de foot. Ils avaient joué, le CFC de Clermont Foot avait joué au stade. D'accord, ok. D'ailleurs ils nous avaient mis à l'époque des grands grillages. C'est pour les supporters de rugby, parce qu'on avait été obligé d'avoir les grilles. On avait les grilles comme les... alors ça c'était pas... À l'époque, les rugby, ils n'enlevaient pas les grilles pour chaque match. Alors il y avait encore, c'était pas le stade, maintenant il y avait les populaires au fond. Moi ce qui me dérangerait juste, si le Clermont Foot vient à jouer au stade Marcel Michelin, ça me dérange pas du tout, sauf sur un truc, c'est que par contre on nous laisse la bière avec alcool. Parce que je veux pas aller dans le. Oui, c'est vrai que tu ne buvais plus. Je bois plus, mais c'est pour mes collègues. C'est pour un ami. C'est vrai que c'est un peu rageant d'aller dans des stades de foot. C'est, on l'a vécu pour des festivals, notamment, je me rappelle Saint-Etienne, on est allé à Marseille, même au Stade de France, où c'est des bières qui sont vraiment sans goût. Alors déjà que la bière au stade, elle n'est pas. Mais quand il y a eu la finale du top 14 au Camp Nou. Moi j'étais trop énervé. Et à l'intérieur du stade, il n'y avait que de la bière sans alcool. Non, c'était de la Kronenbourg. C'était pas au bon endroit. Tu connais pas les bons plans, toi. Ce qui était rigolo, c'est que le chant le plus fort au Camp Nou cette année-là, parce que c'était Racing Toulon. Oui. Et il y avait plus de Montferrandais que Toulon, donc on entendait beaucoup plus. Ah, mais moi j'avais un maillot de la SM. C'était dommage. Bon, c'était raté. Bon, enfin, en toutes les quatre causes, nous, on est un peu tous d'accord avec la montée en Ligue 1 du Clermont Foot. C'est vrai que ça ferait Saint-Etienne, OL, Clermont Foot. Ouais, c'est dingue. Pour la région foot, ça fait du pas loin là. Et Le Loup, Brive, ASM en rugby. Ouais. Ça ferait des beaux matchs. C'est quand même sympa. Non, mais nous, on signe tout de suite. Bon, alors, on va passer au jingle du carton rouge. Et tu voulais pas parler des filles, non, quand même après. Voilà. Donc, si... En gueule, mais là, on a dépassé l'heure. C'est pas de ma faute. Voilà, on discute. Alors, si on peut avoir le jingle du carton rouge. Ah, pardon, Gisèle. Alors, un carton rouge que Greg avait dit et que t'as eu le nez fin, puisque
Visiblement, on s'en a parlé toute la soirée de ce fameux projet de top 15. Donc, j'ai vu pas mal de mécontentement. J'ai vu Antoine qui disait que bah, ça allait un peu le dégoûter parce que bah, déjà c'était compliqué en top 14. Et puis, tu avais aussi la fameuse H-Cup avec un peu plus de soleil. C'était la double lame. Alors, ça fait deux fois que je râle après la Ligue parce que notre ami Bouscatel a été élu et. La dernière fois, j'avais mis carton rouge sur le fait qu'on pouvait recruter en avril des jokers médicaux ou autres joueurs. Je trouvais ça inadmissible, sachant qu'il y avait des enjeux pour la fin de championnat. Bien qu'un 10 pourrait nous faire du bien. Mais là, voilà, il y a ce projet de Super 15 que je trouve dangereux, pareil, parce que je trouve que ça change la donne. À titre d'exemple, si le projet devait se faire d'ici la fin de saison, un club comme Agen est en train de se faire dépouiller de ses joueurs. Puisqu'ils travaillent en vue de la Pro D2. Oui. Et là, à tout moment, on leur ferait faire un barrage au risque de rester en top 14 l'année prochaine. Mais alors, quel intérêt à partir du moment où ton effectif n'est plus du tout. Tu t'es fait piquer tous tes joueurs. T'as plus tes joueurs, donc voilà, pour faire une saison blanche. Financièrement, je trouve que les clubs ont tous été impactés par le Covid. Oui, partager les droits TV avec encore plus d'équipes parce que le top 15 à la place du top 14 amènerait aussi un top 17. En Pro D2. Donc il faudrait se partager les droits avec autant de clubs. T'en rajoutes un. Dans une période où on est quand même. On ne sait pas ce que l'avenir réserve financièrement. Je trouve ça une fois de plus. Et puis à 6 semaines, 8 semaines de la fin d'une saison, non, moi je trouve que le projet, il mérite d'être mis sur la table peut-être, mais dans un futur à moyen terme ou long terme. C'est pas le moment. Pas à court terme. Et dans la foulée, on apprend pareil que la H-Cup risque de se retrouver avec 4 clubs sud-africains, puisqu'ils inventent une nouvelle compétition celte. Je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. La Rainbow Cup. On se déguisera voilà, où ils intègrent 4 clubs sud-africains. Et ils se parleraient maintenant de nous intégrer les clubs sud-africains dans la H-Cup. Là aussi, je trouve que voilà, c'est une Coupe d'Europe. Quoi. Les Sud-Africains ne sont pas européens. Alors même si on n'a pas de décalage horaire, c'est quand même 10 heures d'avion pour les joueurs. En fait, on va finir par. Moi, j'ai pas compris. S'en est connu, j'ai pas compris. Et ben, mais on va finir par faire une Coupe du Monde des clubs. Là, c'est plus une histoire financière, puisque c'est les mêmes qui financent la Rainbow Cup. Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ils souhaiteraient intégrer les 4 clubs sud-africains dans le projet financier qu'ils ont. Mais on n'est plus sur le H-Cup. Il va falloir qu'on se dépêche parce que Jean-Pierre. Il y a plus belle la vie. Il y a plus belle la vie, là. Bon, moi, ma femme à moi, elle ne préparera pas à manger du coup. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est, en plus, on passe sur un top 15. Alors, forcément, comme le disait Émilie, en plus, on passe d'un potentiel top 12 il n'y a pas très longtemps, un top 15 d'un coup. Enfin, on le sait, hein, c'est toujours été comme ça. Mais c'est vrai que il y aura encore un match en plus, il y aura encore des doublons en plus, il y aura encore. Voilà. Et c'est vrai qu'on le voit, même si tout à l'heure, alors j'ai pas rebondi directement parce que sur le fond de ta pensée, j'étais d'accord avec toi, mais sur le haut de ta pensée, j'étais pas tout à fait d'accord avec toi quand tu disais que les vacances pour vous c'était un peu particulier, mais qu'il fallait s'estimer heureux parce que vous jouez quand même. Je pense qu'il faut pas nous aussi qu'on oublie que c'est du sport professionnel et que c'est votre boulot et que vous aussi vous avez le droit de souffler pendant une semaine. Et c'est vrai qu'avec ces histoires de Covid, il y a des reports, là il y a beaucoup de clubs qui vont pas jouer ce week-end et vous allez jouer, et ça fait encore un week-end de moins, et à force de tirer sur les joueurs, sur la corde, c'est vrai que moi ça me fait plaisir de les voir tous les week-ends, hein. C'est vrai que ça m'occupe pas mal de temps, surtout quand on va au stade, mais je me dis si on tire sur les joueurs, on tire, c'est bien de les tirer tout de suite parce qu'ils sont à la lumière, ça va faire des dégâts quoi. J'ai pas tout suivi moi, toute cette histoire de top 15, de même de ligue avec les Sud-Africains, j'ai pas énormément suivi, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais on rajoute une équipe, il faudra que ça, pour moi, la chose, c'est que mon avis, que le salary cap soit revu, qu'il y ait plus de joueurs aussi, c'est comme ça qu'on pourra, en fait, si d'un côté on fait toujours plus, mais on fait moins de l'autre côté, au bout d'un moment... Ça va pas fonctionner. Ça suivra plus. Vous voyez ce que je veux dire. C'est au bout d'un moment... On le voit déjà aujourd'hui, c'est compliqué c'est sûr, on se sépare de Nana Williams. Je suis intimement persuadé que c'est malheureusement financièrement qu'on ne peut pas le retenir. Alors, j'ai lu que Toulouse voulait peut-être le récupérer en baissant sacrément son salaire. Alors, c'est bon, comme tu l'as dit, hein, c'est,
ça reste que de la presse. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que... alors, je n'ai pas cherché du tout la réponse, mais est-ce que quand on fait partie d'un club et qu'on est payé une certaine somme, est-ce qu'on peut être... Parce que si Toulouse lui propose, je ne sais pas, moi, moitié prix de ce qui touche à Clermont, mais que voilà, Nana Williams, il ne veut pas arrêter tout de suite, est-ce que Clermont a le droit de proposer la même somme? C'est un peu ça que je me suis posé comme question. Parce que si on le laisse partir avec des regrets, c'est dommage, quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est que financier, c'est très long, et on le voit, on est bloqué sur tout, en fait. Et on l'a vu avec Jono Gibbs, si ça a été long, l'annonce, tout ça, c'est encore une question financière, et c'est vrai que si demain, on rajoute encore des compétitions, des machins, des idées là, je sais pas comment on va faire. Hein. Ouais. S'il faut qu'on retourne sur le terrain, on est mal. Hein. Après, c'est peut-être pas que financier, il y a aussi la stratégie, tu sais, Cotter avait tendance à le dire, où il cherchait à avoir ce changement à hauteur d'un tiers de cyclique. Oui. Et puis Nana Williams, on l'a vu avec Yohann Huger, malheureusement, hein, et puis c'est dommage pour sa fin de carrière, mais il arrive à un âge où s'il se pète, c'est fini. Oui. Et quand tu es manager ou directeur sportif, tu ne peux pas prendre en compte que la qualité du joueur, malheureusement. Tu es obligé de prendre en compte combien il coûte et les conséquences si ça arrive. Et je pense qu'on l'avait vu avec Touriava. Touriava, quand il est parti à Toulon, il était monstrueux sur le terrain. Mais 33 balais, tu te mets à la place d'un directeur sportif, tu te dis, voilà, UG cette année, voilà, c'est ça. Ouais. Médard l'a très clairement dit, d'ailleurs, en saluant son pote de Toulouse. Il dit, on vit avec cette épée Damoclès, et c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, on a peur de cette blessure. Parce que ça signifie la fin de ta carrière, ouais, quoi. Ouais. Et t'as l'enjeu financier, effectivement. Voilà. C'est vrai que Tifosi dit, et je l'avais pas pris du tout en compte, ça, il est pas gif, et Toulouse, avec le nombre des... Parce que bon, il y a encore des... Des histoires financières, encore une fois, si au bout de tant de joueurs qui sont recrutés à l'équipe de France, il y a une prime qui tombe pour le club, et c'est vrai qu'ils peuvent recruter Nana Williams, qui n'est pas gif, malheureusement. Donc on devient... C'est compliqué. Hein. Mais c'est de la stratégie. C'est de la stratégie, quoi. C'est une entreprise, hein. Des entreprises, donc. Mais bon, comme le dit Aurélie et comme tu le dis depuis plusieurs émissions, c'est compliqué parce que il y a le côté financier avec le salary cap, le côté GIF avec le nombre de Français, de la formation française. Et il y a aussi, quand tu es joueur de l'équipe de France, tu n'as pas le droit de jouer tant de matchs. Pour avoir l'équation, comme ça, en fait, pour tout comprendre. Donc, l'équation n'est pas facile à résoudre. C'est vrai que c'est compliqué, donc voilà, on voulait revenir là-dessus, on est tous d'accord, ou presque, que c'est une belle bêtise. Après, pour faire la petite parenthèse sur Yohann Huger, on l'aime, on l'aime pas, on l'a aimé, on l'a pas aimé. Moi, je trouve que j'étais hyper triste pour lui, quand même, l'autre jour. Moi aussi. Parce que ça fait vraiment mal au cœur de voir un... mais franchement, ça m'a... Déjà, la souffrance, parce que... Il avait décidé d'arrêter... Un tendon d'Achille, c'est hyper douloureux, visiblement. Oui, et puis c'est lent à se remettre. Et de finir comme ça sa carrière, Si on pense à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui n'est pas fini pareil, mais c'est triste parce que de finir une carrière sur blessure ou pour Dato, par exemple, l'année dernière, qui a arrêté sa carrière à cause du Covid, c'est quand même très triste. Des monuments comme ça de notre club. Bien sûr. Cette année, on va encore avoir plein de départs qu'on ne va pas pouvoir fêter. On en a parlé avec Éléonore dans des commentaires dans la semaine. Il y a encore plein de départs qu'on va pas pouvoir fêter. Et ça, c'est hyper triste. Ce que j'allais dire, c'est surtout ça. Je pense autant pour les gens du club que pour les supporters. Mais bon, ça sera moins triste cette année parce qu'on a pu se préparer et voilà. On a le temps comme l'année dernière. On a quand même le temps de. Dimanche, je voulais pas le dire, mais on va le dire. Dimanche, il y aura une banderole dans le stade avec mon club qu'on va faire avec les Mordus. Donc c'est vrai qu'on a cette possibilité-là, même pour le dernier match. Même si on n'est pas là, on peut leur montrer. Dato, pas du tout, ça a été vraiment mal et c'est triste. Et pour revenir à Yohann, moi c'est quelqu'un, je suis un peu comme Coco, quand j'aime pas, ça se voit et je le dis, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas outre mesure. Et sur le moment, quand on me l'a dit, je me dis, c'est triste pour lui, mais c'est dommage. Ouais. Mais par contre, ce qui m'a fait de la peine, c'est sa vidéo qu'il a mise sur ses réseaux sociaux et on voit vraiment qu'il est affecté de terminer comme il ça. Il peut pas finir la saison, Toulouse est premier. On aime, mais... Il avait décidé de finir sa carrière cette année, donc. On n'aime pas, mais tu peux que saluer un mec qui a 65 sélections en équipe de France. Oui, bien sûr. Et je ne sais combien de fois finale. Et on peut saluer David aussi, Barrier, qui est là. Salut David. Salut David.
Après, voilà, bon, donc oui, bah, on aurait dit, voilà, y aura-t-il quelque chose fait pour les anciens qu'on n'a pas pu saluer? Bah, pour le moment, on ne sait pas, on ne sait même pas si, si un jour on pourra retourner au stade avant la fin de cette saison. Moi, je pense que c'est non, mais ouais, quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner? S'il y aura les masques, s'il n'y aura pas les masques, est-ce qu'on sera 1000? Est-ce qu'on sera 5000, 10 000, 20 000? On ne sait pas. Hein, donc, 20 000, ça passe pas, Marcel. 19 800 ouais, quelqu'un, donc ouais, on les mettra les uns sur les autres. Et puis si on compte les femmes enceintes, elles sont doubles, on devrait arriver à 20 000. Donc, bah alors. N'importe quoi. Et il fallait que. Hein, bon. C'était un mot que tu devais dire, non, en, en parlant des femmes, en parlant des femmes, on va voilà, en parler. En parlant des femmes, on va peut-être en parler un peu quand même. Bah, tu voulais en parler, Greg, c'est vrai que tu voulais. Oui, parce que j'ai passé un week-end rugby. Ça s'est joué à peu de choses. Et j'ai regardé les filles en. En replay aussi, j'ai été épaté. Alors, il y a eu la défaite, mais ça faisait longtemps que j'ai pas eu un match où ça avait tapé aussi violemment. Ça a été un sacré filet comme jamais. Au niveau, hein. Ouais, ah, du haut niveau. Vraiment, là, cette fois, je pense qu'on a passé un palier. Alors, il y avait 0-0 à la mi-temps. Hein. Ouais, j'avais déjà dit tout le bien que je pensais du rugby féminin et de l'ASM en particulier, du travail de Sam et de Annick. En équipe de France, mais là je trouve que pour cette finale, on a vraiment assisté à un excellent match de rugby avec une énorme intensité. Bon, après, malheureusement, comme souvent contre les Français, à la fin, c'est les Anglais qui gagnent. C'est le côté un peu décevant, non, mais c'est triste. Mais ouais. Il y a eu un essai de refuser. Alors, j'ai pas vu la vidéo parce qu'à ce moment-là, je regardais l'ASM, mais il y a eu un essai de refuser pour les Françaises. Ouais. Ouais, hein, et l'essai anglaise mériterait quand même la vidéo. Ouais, hein. Ouais. Bah, l'essai anglaise, là où ça peut être litigieux, c'est qu'on a une mêlée ultra dominatrice. Et que sur l'essai de la 8 anglaise, se font enfoncer comme c'est pas possible. Ouais. Et je ne comprends pas que l'arbitre ne siffle pas pénalité pour la France. Et à l'arrivée, c'est la 8 qui part et qui va s'emboutir. Ouais, hein, c'est une écossaise qui a arbitré. C'est une écossaise, oui. Mais par contre, je tenais à tirer mon chapeau d'abord à Sam Chéroux et à Annick Hérault, parce que c'est quand même des Clermontois. Il y a un autre Auvergnat qui est Stéphane. C'est le copain de Karine Faure qui a entraîné les filles de la plaine. Ah oui. Il était à Ussel, lui. Oui, mais il est un préparateur physique. Enfin, il est dans le staff aussi, d'accord, avec Annick et Sam. Oui, donc trois Auvergnats. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je leur tire mon chapeau parce que déjà que c'est agréable à voir jouer, mais là, en plus, on a eu vraiment l'intensité. Ah, mais c'était énorme. C'était énorme. Et moi, quand j'ai vu d'ailleurs, les Françaises marquent en premier, donc oui. L'essai refusé. Oui. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi. Je me dis, tiens, mais il y a toujours 0-0, parce que de temps en temps, je paie sur l'autre, si tu veux, l'autre match. Et puis, ouais, c'est reparti, mi-temps, 0-0. Et puis, ça reste, c'est ce qu'on disait sur le rugby féminin tout de suite, il n'y a pas ces temps morts qu'il y a dans les rugs. C'est un mix entre le 7 et le 15. Parce que c'est un jeu ouvert. C'est un jeu ouvert et ça joue, ça écarte tout de suite. Ça joue beaucoup. Voilà. Donc bravo, ouais, bravo aux filles. Elles font un dernier match. Et puis bravo à nos Auvergnats. L'équipe de France fait un test match contre les Anglaises ce week-end. Mm-hmm. Je pense que d'ailleurs Caroline Thomas devrait certainement intégrer parce qu'elle était dans le groupe, mais elle n'était pas sur la feuille. Il y a quelques bonnes joueuses. Caroline Thomas qu'on va retrouver sur nos plateaux. Qu'on retrouvera sur nos plateaux d'ici peu. Moment, ouais. Et il y a l'ASM qui reprend ses phases finales le 5 mai avec la réception de Bayonne, si je me trompe. C'est ça. Oui. Voilà. Et alors, en partant sur l'ASM, il y a des espoirs qui ont fait du fond. Et les espoirs, pareil, victoire 37-34. Match un peu bizarre parce que ultra domination de nos espoirs qui terminaient à la mi-temps sur un 34-3 ou 34-5, je ne sais plus, où Grenoble ne voit pas le jour du tout. Grenoble qui est juste derrière l'ASM maintenant, oui, qui est troisième. Qui venaient chercher leur possible qualif aussi. Et la deuxième mi-temps a été... ils faisaient un Facebook, hein, les espoirs, parce que ça se joue à huis clos aussi. La deuxième mi-temps a été laborieuse, et à tel point qu'ils se sont fait contrer. Ils prennent deux essais grenoblois qui revient dans le match. Et ça se joue sur une pénalité d'écart. Donc je pense que là, ils se sont fait peur. Alors après, ça, au vu du discours de Cyril Chériel, l'entraîneur des trois quarts... En fin de match, je pense que ça leur servira de leçon pour la suite. Mais le côté positif, c'est que les 4 points leur permettent d'être quasiment qualifiés pour les demi. Pour les demi. Ouais. Donc pareil, il leur reste un match de Montpellier à retard qui avait été au Covid ou autre. Mais normalement, nos espoirs devraient se qualifier pour les demi-finales. Et,
Voilà, et pareil, hein, après il restera deux matchs, demi-finale, finale. Donc voilà. Donc on va leur souhaiter le meilleur. Et tu veux terminer par Aurillac. Et je veux terminer par Aurillac parce que vendredi soir, j'ai regardé Aurillac aussi. T'as bouffé la télé. Ouais, ouais. Quand j'ai dit que j'ai regardé du rugby. Ouais. Et parce que c'était à Biarritz. Et match à enjeu des deux côtés, parce que Biarritz devait gagner absolument pour chercher la qualif. Et Aurillac pour se sauver parce que, parce que derrière ça pousse entre Valence Roman et Soyons Angoulême. Donc Aurillac n'est pas encore sauvé. Et malheureusement, Aurillac revient de Biarritz avec le bonus défensif, ce qui est un moindre mal. Mais eux, pareil, ils ont sorti, alors un peu à l'image de nos Françaises féminines, ils ont sorti un énorme match où ils ont vraiment bouffé les Biarros devant. Enfin, ils les ont étouffés. Hein, et Biarritz fait partie quand même des grosses écuries. Donc ça faisait longtemps qu'Aurillac n'avait pas fait un aussi gros match de la saison. Ils auraient mérité de gagner. Bon, après, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage ou autre. Hein, le match n'est pas volé. Hein, Biarritz mérite sa victoire. Mais effectivement. Oui, c'était pas volé. S'ils auraient gagné, ils avaient gagné. Mais par contre, Aurillac revenait avec les 4 points, c'était pas du tout volé. C'était pas volé non plus. Quoi. Et non, en entier, mais j'en ai eu une bonne partie. Pour le rugby auvergnat, ça paraît de bon augure parce que si Aurillac arrive à garder cette continuité, je leur souhaite de se sauver parce que même pour notre formation, les échanges qu'il peut y avoir entre les deux clubs, c'est important d'avoir un club comme Aurillac en Pro D2. Donc, week-end de rugby qui n'a pas servi au club qu'on supporte. C'est vrai. À part les espoirs, et encore, ils ne sont pas passionnés de la correctionnelle. Mais par contre, on a vu du beau rugby tout le week-end. En période de Covid, ça ne fait pas de mal non plus. C'est clair. Oui, on va terminer sur ça. Ouais. Je vous remercie d'être tous là. Paul, merci d'être venu. Merci à vous de l'invitation, c'était vraiment cool. Ça nous fait plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Encore une fois, on a nos fans qui reviennent tout le temps. On a des nouvelles têtes à chaque mardi et ça fait plaisir à voir. N'hésitez pas à regarder, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en replay sur YouTube, Twitter, Spotify, Facebook, en fait on est vraiment partout, de partager également l'émission, la page les coulisses du rugby auvergnat, et puis on se dit dans 15 et soyez jours. Cool sur cette page. Détendez-vous, c'est détendez-vous. Que et on est que amateurs. Attends, on va faire la photo Paul. Et bien merci à tous et puis bonne soirée et à bonne soirée, on compte sur vous pour atteindre les 2000. Au revoir à tous. Ciao.